Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. Aujourd'hui, je suis avec Olivier Piacentini. Bonjour Daniel. Merci d'avoir accepté mon invitation. Moi, c'est volontiers. Alors, Olivier, tu es un, un écrivain, un penseur, mmh. et nous allons passer en revue ton, ton œuvre en cours. Euh, je t'ai découvert suite à une, une vidéo sur Tes Liberté que j'appréciais. Mmh. Donc euh, voilà, je, on est entré en communication de cette manière. C'est ça. Et je vais un peu te présenter à mon public. Alors d'abord, une question que je pose à, à tous les invités qui sont des, des écrivains, des artistes, des, des intellectuels. Euh, quelle a été l'envie le, première cest qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire Ça a été. Euh, ah bah, envie d'écrire ce livre-là qui s'appelait Vers la chute de l'empire occidental », le, le premier, total voilà, qui a été premier. mon premier livre. Mm -hmm. Eh bien ce livre je l'ai écrit dans un pays d'Afrique qui s'appelle le Bénin. Oui. Et je me trouvais au Bénin il y a quelques années, il y a, il y a trois ans, et je constatais autour de moi que bah, il y avait une très très grande jeunesse, beaucoup de beaucoup de jeunes, mm -hmm. une jeunesse assez dynamique hein, qui essaye un peu de sortir de l'ornière. Et puis je voyais les maisons pousser comme des champignons partout. Euh, euh, des lotissements sortir de terre avec euh, 1200, 1500, 2000 maisons, un par-ci, un par-là, etc. Bon, le Bénin, c'est quand même un tout petit pays. C'est un pays qui n'a même pas tellement de richesses naturelles. Mm -hmm. Et puis, on a l'impression que ça bouge. Et puis après, on rentre en France et, et, et qu'est-ce qu'on voit On voit, ben, voit que on est dans l'amorosité, que euh, les nouvelles générations, au contraire, euh, sont un peu dans le, dans le désespoir, la désespérance. Elles ont des difficultés. On voit que l'économie recule. Et donc, c'est là vraiment. Ce, ce séjour que j'ai fait au Bénin, où j'ai pris conscience, mais concrètement, parce que j'en ai conscience depuis longtemps, oui. si tu veux, mais où j'ai vu concrètement que véritablement, euh, le monde était en train de basculer. Oui. Le monde est en train de basculer, parce que nous, l'Occident, il faut pas oublier, l'Europe, il y a 100 ans, on était on possédait tous ces pays bien sûr oui. nous étions à la tête de tous ces pays le monde entier était à nos pieds on va dire mm -hmm. et puis euh, même ensuite quand les indépendances sont arrivées euh, nous étions les seules économies industrialisées du monde oui euh, les, tous les autres pays étaient très loin derrière et puis on voit depuis maintenant une quinzaine, une vingtaine d'années très concrètement euh, les pays dits du tiers monde euh, relever la tête, remonter, 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 nous tailler des croupières oui. et jusqu'à des petits pays d'Afrique noire à euh, se développer euh, essayer en tout cas de prendre le taureau par les cornes, avancer, bien qu'ils aient des gouvernements souvent médiocres, euh, malgré malgré beaucoup de handicaps qu'ils ont, on a l'impression que ça monte et les, et les gens chez eux te le diraient, est-ce que ça va Oui, c'est mieux, ça va, ça mmh. monte, etc. Il y a, euh, euh, si tu veux, un optimisme. D'accord, en fait, ce, ce séjour en Afrique a été une sorte d'électrochoc, c'est-à-dire que tu oui. avais l'intuition intellectuelle que quelque chose n'allait pas en Occident, et là, tout à coup, tu en as pris conscience par, concrètement. Voilà. Et ça t'a donné envie de, de l'expliquer. Voilà, que, que ce n'est pas seulement qu'en Occident ça ne va pas, c'est qu'il y a un basculement, oui. et un, en quelque sorte, une forme de transfert de l'économie ah, du monde occidental aux autres continents, et y compris l'Afrique noire qui est vraiment le parent pauvre, on va dire à la base, oui. et puis même même en Afrique noire aujourd'hui il y a plusieurs pays qui commencent à pointer le bout mmh. du nez. Donc euh, j'ai le sentiment que au-delà au de l'aspect économique, euh, tu as eu euh, la sensation que tout simplement il y avait plus de bonheur euh, chez oui. les gens le, là-bas qu'ici. Ah ben là alors là ouais, ouais. Bon, alors à ce niveau, moi, je connais très bien euh, et l'Afrique et l'Amérique latine, puisqu'en oui. fait, j'ai je, je, voyagé en Amérique latine il y a fort longtemps déjà. Et quand je vous dis... Que j'ai voyagé en Amérique latine. Ouais. Euh, j'ai été à Cuba, j'ai été en Bolivie, j'ai été au Mexique. Euh, j'étais pas dans des hôtels, si vous voulez. Moi, par Mais exemple oui. à Cuba, j'étais chez l'habitant. On a fait. J'étais avec un ami. On a fait une première nuit à l'hôtel et puis après, on a vécu pendant trois semaines, plus de trois semaines, chez les, chez l'habitant. Donc, euh, je connais très bien ces continents-là et je les connais pour les vivre un peu de l'intérieur. Mmh. Et alors bon. Après, on, effectivement, on peut se poser la question euh, de notre mode de vie occidental, si c'est vraiment celui-ci, celui de la richesse et du matérialisme oui. qui apporte vraiment le bonheur. Ça, la question se pose, parce que finalement, euh, je pourrais raconter une anecdote euh, aux gens qui nous écoutent. Un jour, je suis arrivé dans un village complètement perdu, euh, en plein milieu de, de l'Afrique, mais vraiment un, un endroit perdu, perdu. Et euh, on, on est arrivé devant un petit village, mais une, une vingtaine de maisons. Et, bon, ben, nous, on avait nos caméras, nos, nos, notre 4x4, etc., nos guides. Et puis, mm -hmm. euh, le village était là. Alors, ils avaient un puits au milieu. Et puis, bon, ils avaient un troupeau de bœufs avec, euh, voilà, des cultures autour, euh, des, des arbres fruitiers. Bon, et, et apparemment, ils plantaient des choses. Et puis, alors, je suis arrivé là. Mais j'ai vu de, de, tous ces gens qui avaient le sourire euh, oui. jusqu'au bout, euh, vraiment. Alors, euh, les soirées se passaient à, à chanter, à danser. Alors, j'ai créé un problème diplomatique ce jour-là parce que j'ai pas été voir tout de suite mm -hmm. le très vieux. Euh, qui, est en fait, euh, en fait, qui est le sage. Un euh, peu, peu. Voilà, le sage oui. de la tribu. Alors, il fallait que j'aille le voir en premier. Bon, moi, je ne savais pas. Donc, bon, alors après, j'ai réparé ça, je me suis excusé que je ne l'avais pas vu, etc. Mais oui. on a l'impression, une, une sensation de bonheur. Alors, nous, on, on pleure en parlant toujours de l'Afrique et autres. Moi, ce que j'ai vu de l'Afrique, enfin, en tout cas, dans des pays qui ne sont pas en guerre, euh, je ne les plains pas vraiment, franchement. Euh, D'accord. Oui. oui. Que... Si ce n'est pas dans des pays en guerre, il oui, en fait. y a des pays en guerre évidemment, il y a des pays qui connaissent la famine comme les pays du Sahel, mais là, mmh. là où j'ai été, je ne je les plains pas plus que ça. C'est-à-dire qu'en général, quand on est dans la pauvreté, on recherche des plaisirs simples et quand on les obtient, on est très heureux. Euh, C'est ça, mais, mais là, ça va encore plus loin. Ils, ils ne connaissent même pas les autres plaisirs. Oui, c'est vrai. Ils oui. Comme je disais, mais ces gens-là, euh, les traites de la télé, les impôts, le tiers provisionnel, euh, Ben Laden, ils ne connaissent pas. D'accord. Ah, voilà. Si je fais le résumé, ils ont même pas la télé ni la radio. D'accord. Donc euh, finalement, euh, voilà, ils, ils passent leur soirée au clair de lune, et ils ont de quoi manger. D'accord. Et... et ça leur va. Et ils ont de quoi se distraire et ça leur va. Apparemment, ça leur va. Alors, sans transition, avant qu'on rentre dans le, le, le contenu même de tes livres, euh, tu, as, tu as passé ton enfance en Corse. Mmh. J'adore la Corse, vraiment. Ah, et je voudrais bien. que je voudrais que tu nous parles un peu de. De ton enfance C'est-à-dire, est-ce que tu as été heureux Est-ce que tu as très, aimé ton très, enfance Très heureux, vraiment. Comment vivais tu en Corse à l'époque où tu ah ben Moi, alors je vivais, si, si tu veux, j'ai vécu dans, une, dans un quartier euh, où il n'y avait que des membres de ma famille, qui s'appelait la Cour Chiodi, puisque c'est le nom de ma mère. D'accord. Et euh, dans ce quartier-là, ben, il n'y avait que mes oncles, mes tantes, etc. Toute la famille de mon grand-père. Mm -hmm. euh, pourquoi Parce qu'en fait, mon grand père était venu d'Italie. Et c'est un village de plaine qui s'appelle Ghisonaccia, où j'habite. D'accord. Et euh, la plupart des gens, à l'époque, habitait en montagne, mais mes arrière-grands-parents avaient vu que bientôt c'était la plaine qui allait se développer avec le bord de mer, etc. Mm -hmm. Et donc ils avaient investi ce, ce tout petit hameau, en fait. Hein. Et euh, toute ma famille est venue habiter là. Et puis petit à petit, il y a eu l'exode de, de, de des montagnes et les gens qui venaient. Et ma famille est restée comme euh, un petit peu le centre du village dans le sens que c'est eux qui avaient monté les premiers commerces. Mm -hmm. Et moi, j'ai vécu là. Alors j'ai eu une enfance extrêmement heureuse. Je, je veux dire, je, je sais pas comment. Euh... Il y a pas de honte, hein, c'est bien de le dire. Non, mais je le dis parce que c'est la vérité. Je ne vais oui, pas oui. inventer des, non, 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 des, mais des drames et des troubles. Alors que, bon, si, si tu veux, moi, en plus, j'étais un petit peu malicieux et j'aime bien manger. Tu vois toujours oui. comme voilà. Donc, mais je savais que telle tante, elle faisait très bien les cannellonis, l'autre, oui. elle faisait mieux les raviolis, etc. Donc, j'arrivais toujours à me faire inviter chez telle ou telle, etc. Voilà, c'est un mm. peu ça ma vie. Voilà. Tu, tu y retournes encore aujourd'hui Oui, oui, j'y retourne moins qu'avant, bien sûr, mais euh, moi, je, alors, je, reste, je reste attaché à mon île, bien entendu. C'est intéressant que tu me dises, je ne savais pas que. À l'époque, en fait, les gens vivaient plutôt à l'intérieur même du pays et pas sur le littoral. C'est un lit phénomène récent, je ne sais. Alors, le, le, le développement du littoral en Corse, par exemple, ouais. est lié à plusieurs facteurs. Euh, déjà, le, le, la plaine mmh. où j'habitais moi était infestée par des maladies comme la malaria. Euh, oui. Et ces maladies-là. Et euh, tout ça a été en fait euh, arrangé par les Américains, les troupes américaines, oui. pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont tout désinfecté avec le DDT. D'accord. Euh, voilà, donc sinon c'était presque insalubre comme mmh. zone-là, hein, en quelque sorte. C'était très humide, les, les gens n'aimaient pas y vivre. Et toute l'économie de la Corse était plutôt dans les villages, avec euh, la, la production de châtaignes, euh, les, les élevages de, de porc ou de. Mmh. Et de, tout, tout ce qui était au niveau de la plaine n'était pas euh, n'était pas euh, valorisé. Alors en plus historiquement, euh, tout ce qui était le bord de mer, c'était le danger qui arrivait de la mer, parce mmh. qu'il y avait les fameux pirates barbaresques qui venaient bien en fait d'Algérie. Alors là, on remonte. Oui. Je veux dire à là, au Moyen Âge ou à la, la Renaissance ou même au XVIIIe siècle où il y avait des incursions pirates oui. euh, qui, qui, qui effrayaient bien sûr la population. C'est toute l'histoire a... de la Corse. Euh... Toute l'histoire de la Corse est là. et là, d'ailleurs, la tête de mort, tu le sais bien, oui, oui. à l'origine, elle est coupée parce que c'est <laughs> C'est les pirates contre lesquels on se battait. Oui, 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 tout à voilà. fait. La, la symbolique du drapeau corse est extrêmement forte. Oui, absolument. Je te parle de la Corse parce que dans la logique de tes livres, je voulais savoir si. Tu sentais également ce déclin lorsque tu retournais en Corse pour, les, pour tes vacances ou mais la, la Corse n'est pas tellement en déclin. Au contraire, ça Justement, remonte un petit peu ça ces très derniers très temps. Bon, alors, on va dire que c'est un peu spécial parce que c'est pas... Bon, la Corse a connu des décennies où, avec une très grande violence, mm -hmm. euh, beaucoup de problèmes. Depuis une quinzaine d'années, ça s'est quand même calmé. D'accord. Oui, Donc, oui, il y a un développement qui est basé un petit peu sur le tourisme, oui, et sur des choses comme ça. Donc, apparemment, il y a une amélioration de la situation en Corse. D'accord. Voilà. Mais ça ne suffira pas à contrebalancer oui. le déclin de tous les autres. Oui. <laughs> d'accord. Oui, oui. Ça, voilà. oui, oui. Non, mais j'imagine que ça doit quand même t'apporter un réconfort, parce que c'est de là d'où tu viens, Bien donc sûr. de savoir qu'en fait euh, euh, la ville, le, le, le pays, la région dont on vient, euh, tient debout, ça fait, ça fait plaisir, oui, ça oui, donne oui, du cœur. il y a du mieux, alors bon, euh, la Corse c'est toujours une région un peu « explosive », entre guillemets, mm -hmm. au, au, au sens propre, comme au figuré, on va dire, donc euh, oui. il ne faut jamais présager euh, que tout va être calme. <laughs> on est calme. sûr de rien. Ouais. Voilà, nous sommes un peuple un peu bouillonnant. En fait. oui, donc, euh, oui. voilà. Alors, parmi les, tous les points que je voudrais aborder, il y en a un qui est bon, qui est un de ceux qui me, qui me touche le plus, c'est la perte de liberté d'expression euh, au cours des, des dernières décennies. Très bien. Donc, euh, dans un de tes livres, il me semble que c'est dans le dernier, la mondialisation totalitaire. Euh, tu, tu dis, euh, il y a eu un âge d'or de la liberté d'expression qui se situe, grosso modo, entre les années 70 et les années 80, les années 60 et les années 90. Mmh. Est-ce que toi, dans ta vie, tu as, tu as ressenti euh, ce phénomène de régression? Ouais, évidemment. Ouais. Mais évidemment, mais euh, je vais prendre un truc euh, très simple. Ouais. C'est même pas la peine d'aller chercher. Euh, bon, euh, dans les années 70, il est sorti un film que tout le monde connaît qui s'appelle Les Aventures de Rabbi Jacob. Oui. Voilà. C'était en 1973. Oui. Euh, sous le, le président Pompidou, avec l'ORTF, euh, etc. Donc on nous fait passer ça pour euh, presque le politbureau qui contrôle euh, oui. la télé. Bon, il y a ce film qui est sorti, il, il a fait un très grand succès, et, et tous les gens qui peuvent le voir aujourd'hui euh, rient autant que les gens d'avant. Mmh. Bien. Ensuite, il y a eu les blagues, style Michel Leb, Coluche, Pierre Desproges, oui. etc. Mais tous ces gens-là seraient censurés aujourd'hui à la première parole. Mmh. Quand on voit, quand on voit, euh, Antoine Griezmann oui. se faire insulter de toutes parts tout simplement parce qu'il est déguisé en joueur de basket, des Harlem, des Harlem Globetrotters. Oui. Voilà. Alors moi, je connais beaucoup de, de gens euh, d'Afrique noire qui m'ont dit mais pourquoi on s'en prend à lui Mais qu'est-ce qu'il qui en fait plus, c'est un hommage. C'est pas, ça, pas mais, un déguisement mais, péjoratif. Mais, mais au contraire, oui, c'est vraiment sûr. pour dire. Mais regardez, comme ils sont forts en basket, c'est les meilleurs mm. du monde. Bah oui, oui ah, c'est. absurde. Oui. On, on est dans l'absurdité la plus totale. On ne peut plus parler de rien. Mm. Euh, et, et, en, et de certains sujets, en particulier tout ce qui concerne évidemment les euh, différentes races, les peuples, etc., oui, oui. les religions, on peut plus rien dire. Oui. Donc moi, moi, je suis vraiment euh, atterré de voir ça, oui. atterré de voir que le, le moindre mot... Alors, est-ce que vous vous rendez compte que quand même, il y a un metteur en scène de Carmen mm -hmm. qui a changé la fin de Carmen parce que dans Carmen, c'est Don José qui tue Carmen à la fin, oui. et lui, il a fait que ce soit Carmen qui tue Don José parce que c'est anti-féministe. Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'à quel point on descend Non, c'est une, que une je gravité dis extrême, parce que changer euh, le sens d'une œuvre classique, c'est... Mais ça veut bien dire qu'on veut nous imposer... Oui. Euh, une espèce d'idéologie qui, qui ne dit pas son nom, mais qui est euh, féministe, mmh. euh, antiraciste. Et quand je dis antiracisme moi, hein, c'est pas que je fais la promotion du racisme, c'est que on est dans un système où on peut plus rien dire sur personne, oui, où, oui. Où, tout, où tout vexe tout le monde. Or, moi, ce que je dis, on est dans une société libérale. Mmh. En tout cas, c'est la société que je prône. Oui. Une société de liberté. Mmh. Quand on est dans une société de liberté, on est à même d'entendre tout. Mmh. On va tout entendre. Donc les individus doivent être blindés. Euh, on n'aime pas Charlie. Moi, j'aime pas Charlie. Ben, je l'achète pas. Ouais. C'est pas pour ça que je vais aller les tuer. Oui, oui. voilà, les Char Charlie a fait des, des, des tas de, euh, de, de caricatures sur le pape, sur Jésus-Christ. Je pourrais même pas les citer là. Bien sûr, c'est. Voilà. Mais en tout cas, ça me choque. Oui, oui. Euh, sauf que bon, mais ben, ça me choque. J'achète pas. Oui, hein. oui. Je, je, je me permets même de les insulter parfois. Euh, J'irai pas les mitrailler et euh, les assassiner. L'esprit de la France et l'Occident, c'est la libre pensée. Voilà. Même si c'est des gens de gauche avec qui on n'a pas forcément de sensibilité euh, qui est la même. Non, mais. Euh... mais c'est choquant de voir qu'ils sont morts pour leurs idées, bien sûr. Bah, on en vient presque à avoir de la sympathie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils oui. continuent sur la même ligne avec l'islam, donc on se dit, mais ils ont quand même du courage. C'est vrai, vrai. On en vient là. C'est vrai. Alors si un jour, on m'avait dit que je ferais la promotion de, des gens de Charlie Hebdo. Ben mais ouais. tu as raison d'être précis sur ce point, parce que lorsqu'il y a eu euh, cet attentat, beaucoup de gens dans le milieu dissident se, se sont réjouis euh, de on montre un enthousiasme qui ne m'a pas plu euh, du tout. Bah moi c'est déjà euh, bon ouais. pour des assassinats comme ça. Je n'ai pas d'enthousiasme. Ouais. J'ai pas de sympathie pour les islamistes radicaux oui, qui oui. font ça du tout au nom de quoi bien ils sûr, le font. Euh, je ne sais pas. Moi je pense que franchement tous ces gens-là devraient aller vivre dans un autre pays. Vous voyez genre l'Arabie Saoudite et autres. Et puis comme ça c'est sûr qu'on n'entendra ouais. pas dire du mal du Prophète. <laughs> mais quand vous êtes en France, en France c'est comme ça. Bien sûr. Hein. En France c'est le persiflage, euh, c'est le, le euh, les plaisanteries parfois même de mauvais goût et oui. il faut il faut supporter ça pas, Ça ne date pas d'hier. Hein. C'est des siècles et des siècles que la France a cette liberté de ton. Hein. Bien sûr, mais c'était déjà dès le 19e siècle. Il y avait il y avait Daumier, il y avait plein de caricaturistes qui étaient très connus oui, oui. Et, et qui, qui, qui s'en prenaient aux hommes politiques, mais également aux autorités religieuses, bon, ben, oui, écoutez, c'est comme tout ça. Tout à fait, tout même si Molière ça. prenait des pincettes, ben, il, le, voilà. il le faisait déjà en voilà. son temps, et, et, les gens n'étaient pas dupes, ils savaient très bien que c'était Bien une sûr, mais Molière, ouais. Molière qui faisait quand même exactement ces pièces de théâtre oui. extrêmement subversives devant le roi Louis XIV, exactement, ouais. qui, qui en riait d'ailleurs, donc il était plus capable d'ouverture d'esprit, oui. Louis XIV au sommet de son Olympe, euh, que c'est quelques gens avec leur, euh, oui, leur, oui. leur, leur, leur bêtises et leur sauvagerie, c'est évident. Alors justement, cette pensée unique, cette, cette dictature dont on parle depuis quelques minutes, euh, tu, tu la conceptualises avec un mot qui est le soft totalitarisme. Est-ce que tu pourrais dire aux gens ce que tu, ce que tu vois dans ce mot-là Alors oui, dans la mondialisation totalitaire, je parle oui. de totalitarisme, et dès le début, euh, j'évoque... Très probablement, euh, cette juxtaposition de termes mm -hmm. qui peut choquer les gens. Parce que. Ça sent contradictoire. Ça sent le contradictoire ouais. dans l'esprit des gens. Qu'est-ce qu'on connaît du totalitarisme C'est le stalinisme, c'est le maloïsme, c'est le nazisme, c'est le fascisme. Oui. Donc ce sont des dictatures qui ont enfermé des États dans leurs frontières mm -hmm. et qui ont bourré le crâne des gens avec une idéologie d'État. Mm -hmm. C'est comme ça qu'on voit le totalitarisme. Dans, no, dans notre pays ou dans la plupart des pays occidentaux. Or, le totalitarisme de, du mondialisme, mmh. c'est évidemment tout à fait autre chose, tout à fait autre chose, puisque le monde est ouvert, là. Donc on ne peut pas bourrer le crâne à, à un État et, et, et le bourrer dans un sens nationaliste, parce que oui. même le stalinisme était nationaliste, même le maoïsme était nationaliste. Oui, il, y avait, oui. il y avait cette forme de nationalisme qui était sous-jacente à l'idéologie communiste. Mmh. Donc là, ce n'est pas nationaliste, c'est même le contraire. C'est-à-dire que le totalitaire nous met dans la tête qu'il ne faut plus qu'on ait de nation. Oui. Et, et toute la journée, on, on s'entend dire que les nations, c'est périmé, c'est dépassé, Bien ça n'a plus lieu d'être, etc. Oui. Pourquoi Parce que, comme je l'explique dans le livre, les États, aujourd'hui, oui. sont supplantés en termes de puissance financière et de puissance tout court par les multinationales et les grandes banques. Et ce sont donc elles qui façonnent la oui. nouvelle idéologie qui est appelée à se répandre dans le monde entier. Oui. Qui est cette... Ce fameux soft totalitarisme, que là non plus on n'impose pas par la force. Oui. On ne peut pas imposer une même force dans le monde entier, mais on, on l'impose par le même discours véhiculé partout et le même discrédit qui est jeté sur tous les gens qui euh, ne rentrent pas dans ce cadre-là. Oui. Voilà. Un discrédit médiatique euh, que y... tu connais très bien. <laughs> Tout à fait. Ouais. Il y a quelque chose que tu as écrit qui qui m'a plu cette phrase, cette phrase m'a plu je jamais formulée comme ça dans ma tête et tu dis que le non, ça que non <laughs> ouais. le système n'interdit plus la contradiction il l'invalide oui c'est ça en fait c'est cette nuance est importante c'est-à-dire qu'effectivement on ne va plus dans un goulag lorsqu'on dit quelque chose non 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 ah, peut-être pour certaines choses encore mais mais pas on, on va, va savoir que ça finisse pas par arriver comme ça <laughs> la répression n'est pas aussi violente non non, non, avant. non non mais euh, par exemple un intellectuel ne va plus être mis en avant s'il euh, porte certaines idées mais oui mais quels sont les intellectuels qui portent les idées euh, d'une droite nationale ou euh, d'un retour à une certaine république nationale, mmh. même pas vraiment nationaliste mmh. Il y a Éric Zemmour, oui. on en parlait. Il y a Alain Finkielkraut. Oui. Et maintenant, même Pascal Bruckner, un petit peu. Oui. Bon, mmh. Qui critique un petit peu cette marche vers le mondialisme et la façon dont c'est fait. Et bon, alors Zemmour a été très connu déjà du Figaro, avant même qu'il développe ces idées-là. Et Finkielkraut et Bruckner, carrément, ils étaient de gauche. Oui. Donc, ils étaient de gauche, ils étaient déjà très connus, donc on est obligé de leur ouvrir encore les portes. Oui, oui c'est voilà. Et maintenant, il y a Michel Onfray qui s'y met un petit peu, alors que lui est, est resté vraiment sur ses positions de gauche, quand même. Mmh. Mais il invalide la culture mondialiste. Il, il la critique. Oui. Mmh. Il la critique. Oui oui, 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 oui. Et on lui a fait le reproche, on lui a dit, mais vous êtes en train de virer euh, Front National. Oui, oui. Tout de suite. Oui. Donc, vous voyez, l'invalidation se fait toujours mmh. par des amalgames. Il euh, n'y a pas d'argument, en mm -hmm. fait. C'est ça que je reproche beaucoup, c'est que nous, on argumente. Mm -hmm. Moi, j'ai fait quatre livres, j'argumente, toujours. Je ne critique pas les gens, je n'insulte pas. Dans tous mes livres, j'argumente. Oui. Par contre, en face, on nous amalgame, euh, on nous discrédite en nous disant qu'on fréquente telle personne, on va chez tels endroits, etc. etc. Mm -hmm. on, nous, on nous amalgame et on nous discrédite par, par de simples amalgames ou une étiquette qu'on va coller oui. sur notre tête. Et ça, je trouve que c'est vraiment euh, fausser vraiment les règles du débat. Moi, je vais quand même continuer à faire comme ça parce que je sais qu'au final, mm -hmm. ce sont nos idées qui vont passer. Ah oui, tu es optimiste. Oui, vraiment, je, je suis optimiste. Je sais que ça va passer comme ça parce que aujourd'hui, tu le remarques toi-même. Mm -hmm. Toi-même, tu es un peu un phénomène quand même dans le, oui. dans le système. Euh, beaucoup de gens euh, savent que les médias nous mentent. Il y a une défiance des gens vis-à-vis -vis des médias. Oui, tu, tu le ressens. Oui, oui, oui. Moi aussi. Oui. Donc, et, beaucoup, et des jeunes en particulier. Et, et pas forcément des, des gens, forcément des intellectuels. Mmh. Juste des gens qui constatent que ben, on va dans la rue, on regarde, on voit ce qui se passe. Puis après, on allume la télé. Et. Là, on a un discours qui est complètement différent. On dirait qu'on veut nous démontrer que ce qu'on voit n'est pas réel. Oui, je comprends, mais permets-moi de me faire. Je fais un peu l'avocat du diable. Oui, oui. euh, Est-ce que ce n'est pas le miroir déformant d'Internet qui nous fait croire ça Parce que quand on voit que Macron est élu à 65%, on se dit, mais les gens tiennent quand même le, au système. Euh, quelle oui. est ton analyse par rapport à cette victoire Oui, mais de là, Macron, là, alors, là, tu me parles d'un instant T, dans oui. un pays donné, oui. etc. Oui. Il y a la victoire de Macron. Et, 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 et quid de M. Trump bah, ah, Vladimir Poutine, il y a depuis 20 ans, c'est quand même une très forte opposition au système. Il y a eu le Brexit. Mais les, pays de les pays de l'Est, la Pologne, la Hongrie, maintenant l'Autriche. Dans un mois et demi, ce sera l'Italie. Ce, ce que tu veux dire, c'est que ce qui te donne lieu d'espérer, c'est qu'ailleurs en Occident, ça bouge. Oui. Et euh, donc tu penses que ce fait, cette vague va déferler à un moment ou à l'autre sur la France alors là, je ne sais pas sur la France, parce que justement, la France, c'est toujours le pays qui se met toujours à l'abri des vagues et toujours dans le mauvais sens. C'est-à-dire dans les années 80, il y avait eu la vague néolibérale, oui. Reagan, Thatcher, Kohl, etc., qui avait emporté tout, sauf la France, qui était restée avec Mitterrand, oui. jusqu'au bout. Oui, oui. Bon, on verra bien. Moi, je ne suis pas prophète, mmh. je ne sais pas. Euh, de toute façon, il est bien évident que quel que soit le président. Qui euh, présidera les destinées de ce pays, il pourra pas être complètement à l'abri de tout ce qui se passe partout, il pourra pas être en marge de tout. Oui. Et d'ailleurs, même Macron, mm -hmm. qui a été élu pour faire le contraire, est obligé de donner des apparences d'un maintien ou d'un sauvetage des frontières de l'esprit national. Enfin, c'est ce qu'il fait depuis quelques mois. Oui. Oui. Avec quelques sorties audacieuses, même en Afrique. où euh, oui, Il, y a, il y a des, des paroles qu'on n'imaginait pas possibles dans sa bouche. Tu parles de quoi Par bah, rapport au président ce, burkinabé Oui, il manquait un peu de respect. De... C'est au... ridicule. Oui, là, oui, là, oui là. Non, non, mais c'est pas. Ouais, plus... alors là, c'est lui. Là, là on n'est plus dans la politique. C'est C'est une personnalité euh, égocentriste mmh. qui. Ah oui, et, et, comme oui ça à, à mon ça, point de vue, ouais. oui. oui. Et, et alors, ce qui me. Alors, à ce niveau-là, je, je pense qu'il euh, n'a même pas d'équipe qui lui explique quels sont les us et coutumes des pays où on arrive, où on doit quand même respecter diplomatiquement les gens. Euh, ce qu'il a fait, c'est vraiment humilier le président devant ses électeurs. Mmh. Et je connais l'état d'esprit dans ces pays d'Afrique. Oui. Euh, ça a été vraiment vu comme... Pour une... toi, c'est une erreur diplomatique majeure mais, mais, Majeure, bien oui. sûr. Mais on voit bien qu'il n'est jamais sorti de ses bureaux avec euh, avec, euh, avec ses banquiers, ses oui. hommes d'affaires. Et, et qu'arriver dans des continents comme ça, euh, s'il si, si, ne redresse pas la barre, si on ne pas, il va, mmh. il va ramasser gamelle sur gamelle. Enfin, enfin bon, c'est ce autre chose. Hein. <laughs> c'est vrai, on, on va reparler du cas Macron, mais ce que j'aime dans ta, dans ta vision, c'est que tu, tu as vraiment une vision de l'Occident dans son ensemble. Tu ne restes pas centré sur les problématiques franco-françaises. Non. Euh, C'est-à-dire que tu vois des, des, des possibilités, de l'espoir ailleurs. Euh, dans euh, notre monde en fait. Mais, mais même en France, euh, mmh. je suis désolé, euh, tu dis Macron a été élu. Oui, il a oui. été élu. Il a été élu comment aussi Parce que bon, il faut quand même voir. On a eu euh, deux candidats en face de lui qui pouvaient gagner, on va dire même un troisième. Allez, Mélenchon. C'est vrai. Bon, euh, Fillon a été complètement désingué par une véritable cabale. Mmh. Je crois que c'est clair. Et je crois que ce soir, il y a un reportage d'ailleurs... Euh, qui va certainement expliquer ça, maintenant on peut le faire, hein, ça ouais. y a, est, c'est périmé. Une fois qu'il est passé, l'autre. Voilà, <laughs> voilà. Donc euh, il a été désingué par une cabale. Euh, l'autre candidate, Marine Le Pen, est de toute façon ostratisée par les médias euh, euh, d'un bout de l'année à l'autre, elle est considérée comme dangereuse, enfin, donc on, on bourre mmh. le, le mou des gens avec ça. Euh, c'est même étonnant qu'elle ait fait des scores comme ça. Ah oui. Hum. À mon avis, oui, quand même. C'est comme ça que tu le, tu le ressens je, je pense vraiment que oui, elle a fait 21% au premier tour, au deuxième tour, elle a fait 34%, ouais. donc une très forte progression. Il ouais. faut pas oublier que son père, en 2002, euh, n'avait pris aucune voix de plus entre les deux tours. Ouais. Euh, donc il y a quand même une évolution très très forte en sa faveur. Ouais. D'autant plus que, bon, tout le monde le sait, il y a eu quand même un léger couac. <laughs> au fameux débat. Ça n'a pas, a fait pas fait servi. Une compétence extraordinaire. Sinon, elle aurait fait encore ouais. probablement un million de voix en plus. Et moi, je connais des gens qui l'ont voté au premier tour et pas au deuxième. D'accord. Voilà. Oui, donc finalement, toi, tu as une lumière un, un petit peu optimiste sur tout ça. Tu, tu dis au camp national, on déprime, on déprime, mais enfin quand même, il y a eu une évolution du, du, mais bien du sûr. score. Mais, 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 euh, mais bien sûr. Mais et bien en sûr. dépit d'un niveau de Marine Le Pen qui n'est pas extraordinaire, on a vraiment une... Qui est le plus, le plus haut jamais atteint Oui. Ouais, ouais qu'on le veuille ou non. Et quant à Macron, euh, il, faut, il faut bien voir quand même une chose. Hein, et ça, alors là, je ne suis pas dans le secret des dieux, je n'étais pas du tout convié à ces réunions-là, ouais. mais je suis à peu près persuadé qu'après euh, les déconvenues du Brexit et de Donald Trump, enfin l'élection de Donald Trump aux États-Unis, euh, il y a véritablement une, une espèce d'oligarchie euh, politico-financière mondiale mm -hmm. qui a voulu à tout prix sauver la France, à tout prix sauver la France, et qui a fait le maximum pour que Macron passe, oui. sachant que Marine Le Pen, évidemment, c'était le diable, et que François Fillon était quand même euh, un petit peu proche de Poutine et qu'il avait l'air de dire qu'il fallait pas ostraciser Poutine et, et je en tout pense cas, il, a il, une, il a fait une campagne sur les valeurs, il a fait une, une, campagne une vraie sur les... campagne sur les valeurs ouais. sur les valeurs françaises, mm -hmm. une campagne de redressement du pays. Est-ce que l'oligarchie le veut Est-ce qu'elle veut vraiment déshonter ce pays C'est pas sûr. Mm. Euh, je pense pas d'ailleurs. Ouais. Et alors finalement, donc on a fait le maximum, on a on a tout fait même pour faire gagner Macron oui. parce que si ce n'était pas Macron qui passait, eh ben euh, la mondialisation totalitaire aurait eu quand même un sacré plomb dans l'aile. Oui, oui, oui. Ça a vraiment... beaucoup de pays, gros pays qui tombent quand même. Hein. Si vous en doutez, rapp rappelez-vous d'une chose, euh, quelques semaines ou quelques mois, je crois, avant l'élection, Obama apporte son soutien public à Macron, ah bah oui, euh, c'est quand même fort, il est a quand une même fort. popularité est énorme aux états unis C'est quand même fort. Euh, voilà, donc voilà. Euh, imaginez les, dans la tête des Français, pour qui les états unis c'est le plus premier pays du monde, évidemment ben, c'est le cas en plus, euh, c'est très fort, l'impact est très fort. Surtout la popularité d'Obama, parce mmh. que c'est pas rien quand même, hein. ouais, est Obama sûr. est quand même euh, très apprécié, enfin, ouais. au moins son image on va dire. Oui, oui. Alors, euh... Pas, pas certain, sa politique. Euh, certain, voilà. c'est clair. Euh, en plus de, bah, en d'avoir lu tes livres, je te suis sur les réseaux sociaux. Je vois que tu es assez critique vis-à-vis -vis de la présidence de Macron. Quel est pour toi le bilan après quelques mois euh, tu, tu penses vraiment que Macron va enfoncer ce pays euh, Comment tu vois la chose moi, tes moi, je, veux, le je, je vois la. Bah, le reproche c'est le même que je fais, même avant. Enfin, oui. si tu veux, moi, j'ai rien contre Macron, que personne. Enfin, euh, c'est pas le problème. Moi, moi, il est évident que je ne suis pas de son bord parce que oui. pour moi, il est resté un militant du PS. Voilà. Et simplement, il a voulu rénover le PS, à la, à la différence, mmh. je pense, de beaucoup de ses collègues. Euh, et, et je pense qu'en fait, il a été fait dans certains milieux un reproche euh, à un Hollande qui n'a pas été jusqu'au bout, qui ne s'est pas débarrassé de ce fardeau qu'était le parti avec ses vieux dogmes, etc. Mmh. Et qui n'a pas été jusqu'au bout de la réforme, de la, de la transformation du PS et de la politique euh, socialiste telle que certains l'auraient espéré. Et lui, incarner ça. Mais ça reste une politique socialiste. Mmh. Et pourquoi je dis que ça reste une, po une politique socialiste Parce que depuis un an qu'il est là, j'entends parler de plein de choses. Alors j'entends parler de la fiscalité, alors on a enlevé une partie de l'impôt sur, sur la fortune, mmh. sur les actifs financiers. Oui. C'est-à-dire que si tu as 100 millions d'euros en actifs financiers, tu ne payes pas. Mais si tu as une maison d'un million et demi d'euros, oui. il y a quand même pas mal de monde dans la région parisienne, oui. ah bah là tu payes. Voilà, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Mmh. On voit bien qu'il y a quand même une orientation qui va un petit peu toujours dans le même sens. Oui. Et euh, moi, ce que je vois, c'est qu'en tout cas, il n'y a rien qui est proposé en termes de réduction des dépenses publiques, c'est-à-dire en termes de, de, de libéralisation de l'économie française et de la société française. Oui. En sachant que la France est le pays occidental où il y a le plus de dépenses publiques au monde. C'est-à-dire qu'en France, il y a 55, 57 de la dépense publique. Ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire qu'on produit en France, mettons 1000, il y a 570 qui sont captés par l'État. Mm. C'est affolant, je veux dire. De Gaulle avait parlé en son temps. Il avait dit, au-delà de 33 on n'est plus en pays libéral, on est en pays communiste. Oui. C'est De Gaulle qui a dit ça. Aujourd'hui, on est à 57 Et j'entends déjà me parler d'ultra-libéralisme. Oui, oui. c'est ça qui est intéressant. C'est ce ah, incroyable. Ouais, ouais, ouais. En France, on est ultra-étatiste, on est un pays socialiste. Mmh. C'est ce dont j'ai parlé dans mon livre, Le dossier noir du socialisme français. Oui. Au bout de 35 ans, après que Mitterrand ait pris le pouvoir, on est devenu un pays socialiste sur bien des aspects, en particulier sur la dépense publique et l'assistance sociale, qui lui représente 35% des revenus des Français. C'est-à-dire que les revenus des Français... Mmh. Sont à 35% des revenus de transfert. Mmh. Voilà. Après ça, on va vous dire qu'on est ultra libéral. C'est vraiment euh, une ineptie de dire oui. ça. Oui, c'est-à-dire que chez, pour toi, chez Macron, il y a l'apparence du libéral, mais en fait, c'est la continuation d'une politique. On essaye de maintenir que... en place ce système. Le vrai programme, parce qu'il a un vrai programme, mais il n'est pas explicité. Mmh. Pourquoi Parce qu'en en fait. C'est ma théorie, hein, et je, je, je vais la développer dans un livre qui va sortir dans quelques mois. Euh, Macron a été entièrement financé par des grands groupes. Oui. Voilà, c'est sa particularité par rapport à tous les autres candidats. Euh, les autres candidats qui, jusqu'à présent, élus, ont été élus, ont pu être élus, ont été financés en grande partie par des fonds publics. Macron n'a été financé que par des privés. Et des privés, euh, c'est du haut de gamme, hein. oui. euh, vraiment du haut de gamme. La preuve, c'est que plus de 50% des dons qu'il a recueillis proviennent en réalité de grandes sociétés ou de cadres de grandes sociétés, ou en tout cas, c'est des mouvements parce que vous savez que c'est plafonné. Hein, tu mm -hmm. sais que plafonné. Mm -hmm. Bon, les, les dons sont plafonnés, mais enfin, c'est un système où euh, les grands groupes, par le biais d'autres euh, structures ou d'autres personnes, en fait, le financent. Oui. Donc, il a un programme qui va en fait aller non pas dans le sens de l'électorat. Mais dans le sens de ces bailleurs de fonds, de ouais ses oui. financiers. Il sert les personnes qui l'ont mis à cette place. Pourquoi on se vaccine tout d'un coup mm. Qui en a parlé pendant la campagne Ah oui, euh, tu penses que les groupes pharmaceutiques étaient derrière Macron euh... mais Benoît Hamon. Ouais. Je ne suis pas particulièrement pour Benoît Hamon, mais enfin, quand il dit des choses intéressantes, il faut l'écouter. Ouais. Il y a eu le, débat, le premier débat euh, de la présidentielle du premier tour. Mm. Il a posé la question, il y a combien de groupes pharmaceutiques qui vous ont financé Re Revoyez le débat. Ah, je il lui plus. a posé la question. Combien de groupes ph pharmaceutiques vous ont financé Et Macron a répondu Je n'ai pas le droit de vous le dire, nous devons rester confidentiels, c'est la loi qui le dit, sur les donateurs, on n'a pas à le publié. Mais Benoît Hamon a bien insisté dessus. C'est donc qu'il avait quand même quelques informations. D'accord. Et comme par hasard, la première loi, ouais. la première. À ce moment-là, il donne des gages euh, aux personnes qui l'ont. Euh... La première, c'est l'histoire des 11 vaccins. D'accord. Voilà. Ouais. Et, et, et on, on fait cette loi immédiatement, alors que de toute la campagne, on n'a jamais parlé de ça. Oui. On n'a jamais parlé de ça. Hmm. Voilà. Mais c'est vrai que c'est venu un petit peu de nulle part, ça a créé la polémique, mais. Euh, ah oui, c'est obligé de créer une polémique. Parce ça que bon, semble urgent. Même, tout voilà, tout <laughs> voilà. Et puis alors, on va nous dire mais on est complotistes. on est complotistes. Mais enfin, il faudrait qu'on, il faudrait qu y voie plus. Oui. Il faudrait qu'on y voie plus, c'est-à-dire il faudrait qu'on ne soupçonne pas Macron d'être financé par des, des groupes pharmaceutiques. Le, le soupçon euh, est resté euh, suspendu pendant toute la durée de la campagne. Même oui. si on ne saura jamais vraiment tout à fait, mais enfin, bon, mm -hmm. il, on en a parlé, et, et Benoît Hamon, donc des candidats importants. Et puis après, quand on voit que la première loi, ben, c'est un cadeau monumental pour ces groupes-là, ben, non, c'est fortuit. Oui. Voilà. Faut, il, faut, il faudrait ne pas voir ce que, ce que tout le monde voit. Il ne faut plus regarder, il ne faut plus avoir Dieu, il ne faut plus avoir d'oreilles, il ne faut plus il oui. penser. Il faut, voilà. Écoute, justement, puisqu'on parle de politique et du président de, de notre cher pays, comment toi, tu te définirais politiquement euh... Sur un plan euh, économique, euh, idéologique. Ah ben moi je suis euh, tout simplement de droite. Oui. Que je l'ai toujours été. Et je dirais que ma, ma droite en fait, elle repose sur euh, plusieurs piliers. Mm -hmm. euh, le premier pilier, c'est une notion d'enracinement dans un territoire, oui. euh, qui est le territoire d'une nation. Ça, ça me paraît être le, la première définition d'une politique de droite. Mm -hmm. Donc pas du tout internationaliste, ça ne veut pas dire être fermé, ça ne veut pas dire fermer les frontières, bloquer tout. Bien sûr. Ça veut dire se recentrer sur la population de ce territoire et les intérêts de cette population sur ce territoire-là. Je pense que c'est le, le premier point. Le deuxième point, c'est euh, de ne jamais oublier qu'on est les héritiers d'une longue histoire. Et il faut que les gens, et les enfants en particulier les jeunes, aient cette histoire en tête. Oui. Et il faut qu'on soit le prolongement de cette histoire. Oui. C'est ça une nation. Voilà, et, et, et c'est cette histoire et c'est la langue qui vont créer, la, qui crée la cohésion de la nation. Et il faut toujours avoir bien à l'esprit qu'il faut garder cette cohésion de la nation en tant que élément de l'enracinement dans le territoire et élément de l'héritage oui. du passé. Je crois que c'est deux points essentiels qui distinguent un homme de droite authentique d'une simple politique libérale. Parce qu'évidemment, le troisième volet, qui est le mien, oui. c'est que je suis libéral en économie. Mmh. Je suis libéral en économie pour une seule et bonne raison. Pas 36. Plus un pays est libéral et plus l'économie fonctionne. Mmh. Et je dis pas sur un an, deux ans, trois ans. Moi, je parle sur le long un terme. Processus qui... voilà. Sur un processus de long terme, plus un pays est libéral et plus il fonctionne. Il n'est donc pas étonnant. Que la France ne fonctionne plus et depuis fort longtemps. Mmh. C'est pas étonnant qu'on soit la pire économie du monde occidental aujourd'hui. Oui. Ça, c'est pas ce que tu entends dans les médias. Mmh. Par contre, si tu as bien lu le dossier noir du socialisme français, j'ai aligné tous les chiffres de l'économie française actuelle mmh. que j'ai comparés avec ceux de tous les autres pays euh, voisins. Environnants, ouais. Voilà. Et, et quel est le pays où tous les voyants sont au rouge ouais. C'est la France. Oui, c'est vrai que de l'extérieur, les gens qui n'ont pas lu ton livre peuvent se dire mais pourquoi il est aussi focalisé sur l'économiste Parce que pour toi, ça a vraiment une implication dans tous les domaines de la vie française. Complètement. Oui. Mais complètement. Mais tiens, tu me parlais tout à l'heure de la liberté d'expression. Oui. Quand tu as 57 euh, de la richesse nationale qui est captée par l'État, oui. est-ce que tu peux vraiment être tout à fait libre Est-ce que, est que l'État s'accapare de tout parce que c'est ce que ça veut dire. Mm. Il s'accapare donc de ce qui est son domaine régalien, hein, la police, la justice, etc. Ça, c'est normal. Après, il s'accapare des transports. Il s'accapare, euh, de, évidemment, de tout, tout ce qui est social. C'est-à-dire, il s'implique dans la vie des gens. Mm. Pour un oui, pour un non, pour recevoir des assistances sociales, parce qu'on a mis une gifle à son gosse, etc. etc. Et est-ce que ça, ça n'induit pas, au fur et à mesure, une idée que l'État a un message à faire passer et que d'autres messages, par contre, sont interdits Hum. Est-ce que ce n'est pas lié Moi, je pense que l'investissement de l'État dans tout, tous les domaines de la vie des gens, comme c'est le cas quand on maîtrise 57% de la richesse nationale, ça ne peut donner que Forcément. des limitations à. Euh, c'est l'État la... qui donne le là de ce qui doit voilà, être dit, fait, voilà, etc. Voilà. Mais puisque tu me dis, je viens de Corse, hum. je, je pourrais te parler des, des, alors, des communes de province oui. où il n'y a pas vraiment une très forte économie. Et où euh, nombre d'emplois dépendent directement de la commune ou des, des, des mmh. collectivités. Est-ce que tu crois que les gens euh, qui sont là et qui risquent leur emploi parce que euh, ceci, cela, ils vont se mettre à mal avec le maire, est-ce que tu penses que ça, ce n'est pas des freins à la, lib à la liberté d'expression si. mmh. voilà. ouais. Mais tout ça, c'est lié à l'énorme poids de l'État qui détourne, entre guillemets, de l'argent qui devrait aller dans l'économie libre mmh. et qui se l'accapare et qui donc. Oui se donne derrière le droit euh, de diffuser un discours et et de l'imposer. Alors, évidemment, comme tu l'as dit tout à l'heure, oui. on est en France, hein, donc euh, oui. on ne va pas au goulag, ni même en prison, mais oui. on a quand même. Il y en a qui vont au tribunal, quand Bien même. Bien sûr, il y a des, des peines, des amendes. Voilà. Il y a surtout un. On est ostracisé, on n'apparaît voilà. pas. Simplement, ne pas apparaître à la télé, c'est déjà un fort inquiétant. Alors, on n'apparaît pas à la télé, oui. on n'apparaît pas dans les grands médias, euh, on peut être exclu de certains emplois, si on va soumissionner pour un marché parce que est en entreprise, on est, on est, on est barré. Donc, il y a beaucoup de choses, quand même. Il oui, oui, euh, y a des éléments de pression, c'est le soft totalitarisme. Oui, c'est ça. <laughs> voilà. Alors, euh, c'est peut-être un peu tôt pour ça, mais enfin, dans la... pour 2022, euh, qu'est-ce que tu espères Comment est-ce que tu vois les choses Est-ce que tu espères que... Je ne sais pas, tu, tu, tu mets une pièce sur qui Tu mises sur qui Est-ce oh, qu'à nouveau, je parti je... Alors, à, à droite Je euh... ne sais pas. Tu franchement, sais pas. je ne mise une pièce sur tôt. rien du tout. Euh... J'ai fait des pronostics, moi, qui se sont avérés totalement faux, puisque <laughs> j'étais persuadé que la droite allait gagner. Oui. Et euh, je, je voyais les gens tellement. Euh... Mais tu ne pouvais pas deviner l'affaire Pénélope avant qu'elle arrive aussi euh... Enfin, l'affaire Pénélope Quelle affaire Pénélope euh, qu mmh. Non, mais que, franchement... ils ont monté ça en. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ah bah oui, c'est tout le montage qu'il y a eu derrière. Mais, oui, oui, bien sûr, bien sûr, mais on ne pouvait pas le savoir. Franchement, l'affaire Pénélope, je veux dire, enfin, prononce cette affaire. Enfin, l'affaire Las Vegas, de, de, euh, de Macron, c'est 10 ans de salaire de Pénélope en une seule soirée. Oui, oui, oui. <laughs> et, puis, et puis, ça n'a pas eu les mêmes conséquences judiciaires. Oui, 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 oui. En tout cas, beaucoup moins rapide. Bien sûr. Ouais. Parce après, maintenant, même si ça se déroule, bon l'affaire est dans le ah, sac oui. on va dire. Et hein bon, maintenant, c'est passé. Macron est président, mais je ne sais pas si tu te souviens de ce. Ils avaient fait. Je ne sais plus quel journal a publié ce classement grotesque du patrimoine de chaque candidat. Et oui. le but étant de montrer vraiment que Macron était le moins et le plus pauvre. Oh, le pauvre, le pauvre. Voilà. Ça, il nous Donc a il y fait avait presque... vraiment côté. Les gens ils croyaient. Les gens ils croyaient vraiment. Il est hors système. Regardez, il a pas de sous. Il a 30 000 euros en banque. Et quoi. les gens ont vraiment non, cru ça. ça. Vous vous compte, il a 30 000 euros en banque. Ouais. <laughs> Est-ce qu'ils ont... Est que... <rire> <rire> je vais pas trop parler parce qu'on pas... qu mais... a bien fouillé tous les comptes 30 000. Bancaires. Partout, dis donc, partout, hein. partout, partout. Ça paye pas très cher. Il a hein, bien la regardé partout, hein. oui, oui, la politique <laughs> et puis la banque non plus. Non, non. Je ne pensais pas que des banquiers d'affaires étaient si bah, misé misérables. Pas misérables, mais enfin quand même. Ouais. Bah, il avait le même patrimoine que Philippe Poutou. <laughs> C'est d'amour de rire. N'allez hein. pas bosser chez Rothschild voilà. et tout, ça ne rapporte pas. Tout le monde a pu en rire, sauf les journalistes sur les plateaux de télé. Exactement. Il ouais. n'y en a pas un qui a rigolé de ça. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Voilà. Il suffit de voir leur tête à Poutou et à Macron pour bien comprendre qu'ils sont pas dans la même catégorie sociale. Bah, C'est évident. C'est. Ben, comme quoi on fait un vel des couleuvres hein, vraiment aux français euh. ben C'est ça qui est vraiment surprenant. <laughs> mais je, je, je vais te dire, Daniel, j'ai écrit au sur l'Elysée, c'est-à-dire ce, ce livre qui va sortir oui. dans quelques mois, parce que j'ai fait le recoupement un petit peu de tout ce qui s'est passé pendant cette campagne, j'ai analysé les différentes affaires judiciaires mmh. euh, avec l'appui de juristes hein, pour bien montrer qu'en fait, il y a eu vraiment une énorme focalisation sur l'affaire Fillon, oui. qui est celle qui, en fait, n'aurait pas dû avoir euh, se, se conclure par une mise en examen rapide. Mmh. Je ne vais pas rentrer dans les détails juridiques, mais euh, normalement, une affaire qui relève d'un travail parlementaire doit faire l'objet d'une enquête du bureau de l'Assemblée. Ils ont vraiment pressé le processus. Ah, pour c est, c est, c est pour que, que ça éclate bien. avant le. Bien sûr. Mais bien sûr. Oui. sûr C'est l'évidence même. Oui. Et puis derrière les médias, euh, bon, il y a quand même une émission aussi euh, euh, sur Macron. Qui a été faite par un journaliste qui s'appelle Christophe Moulin sur LCI, mmh. la médiasphère, oui. euh, qui devait sortir le 3 avril, qui a été censurée. Oui. Elle est disponible sur Internet. Je, je pense qu'il faut vraiment la voir, cette émission, parce que euh, lui, vraiment, euh, met, montre les vraies images de la campagne, c'est-à-dire euh, les meetings de Macron où les salles sont à moitié vides, où au bout d'une demi-heure, les gens s'en vont. On voilà. se souvient de ça. Voilà. Les gens interviewés à la sortie qui disent Mais on est là pour écouter quoi Il n'y a rien d'intéressant. On n'a rien compris à ce qu'il a dit Il n'a ouais. rien dit Il dit rien. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Euh, ils ont remontré ce meeting de Marseille qui était vraiment une foire. Ah oui. Où, 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 où oui avec oui. on parlait de l'OM et du PSG dans des meetings politiques, mais vraiment c'est ouais. des, des, des tas de phrases, des, des expressions populaires marseillaises qu'on réemploie. Gars, c est, c est, il a, il a pensé un temps monde. très fort et ça a marché. <laughs> Faut croire que oui. Mais c'est se moquer du monde. Comment oui, oui, les Marseillais oui. peuvent laisser avoir à des, à des, à des choses comme ça D'ailleurs, est-ce qu'ils se lancent à avoir Je ne sais même pas. Et puis, il, a, il reste encore de vrais Marseillais à Marseille C'est encore oui. une autre question ah oui, qu'on pourrait se poser. Question, oui, <laughs> euh, oui d'ailleurs, je voulais te dire tout à l'heure, pour aller dans le sens de ce que tu disais sur le, le fait que l'État avait la main mise, surtout, moi qui connais un peu ce milieu, par exemple, dans le cinéma. N'imaginez pas comme l'État intervient. Rien ne peut se faire sans les financements publics. Le cinéma français, c'est un cinéma subvention. C'est un cinéma de propagande d'État. Et de propagande d'État. Mais tous les films, c'est ça. On reprend toujours les mêmes sujets. C'est toujours les sujets sociétaux, les histoires sur l'homophobie, le racisme, ou voilà le féminisme. Toujours, tous les films sont sur cette trame-là. C'est d'une médiocrité que je trouve vraiment affligeante. Exactement. Dans le même dans le même ordre d'idées. Euh, toi qui t'appelles Conversano, oui. n'est-ce pas euh, Je ne sais pas si tu connais le grand cinéma italien des années 60-70, ouais. qui est très subversif. Oui, oui. Mais enfin, c'était fait avec une autre classe, parce que justement, c'était pas subventionné. C'était ouais. fait par des artistes qui oui, pensaient oui. comme ils pensaient, mais mmh. on sent la sincérité derrière tout ça. Là, oui. on a vraiment l'impression qu'ils sont en service commandé. Allez, fais-moi le truc avec le noir qui se fait jeter de son travail, et puis après, blabla. Ou alors, oui, le policier noir avec le policier blanc qui vont en banlieue. Enfin, des trucs euh, comme tu as pu voir. Oui, oui. voir mais... et, et puisque tu en parles, ce cinéma des années 70, ou même le cinéma néo-réaliste d'après-guerre, n'était pas anti-italien. Ce n'était pas un ah, cinéma ça, fait par des Italiens, contre les Italiens de souche. Ce n'était pas un, un cinéma masochiste. Non, non, c'est sûr. Un cinéma sûr. qui essayait de montrer une réalité euh, de la, la pauvreté. C'était contre les institutions et contre bon, certaines fait. conventions sociales. Oui que jugés dépassés, hein, je pense à Pasolini, etc. Oui. Et en tout cas, c'était de très grands intellectuels. Mmh. On ne peut pas, en tout cas, leur reprocher euh, de devenir, en fait, les faire valoir euh, oui. d'une espèce de, comme tu dis, d'une soft idéologie, soft totalitaire. Mmh. Mais là, aujourd'hui, ce n'est que ça. Mais ce qui est insupportable, c'est que ce cinéma d'auteur français se fait passer pour subversif alors qu'il est totalement dans les clous. Non, pas, parce pas, que l'État. Euh... Il n'est pas du tout subversif, il est à la botte oui, oui, du, de, du discours conventionnel. Oui, oui, oui. Voilà. Récemment, avant que je passe à la question suivante, un internaute m'a demandé. Bon, comme tu, tu connais bien en cinéma, comment t'expliques qu'il n'y a pas de Clint Eastwood français Mais moi, je vous dis, le cinéma de droite ne peut pas exister en France. Ça n'existe pas. Il ne peut pas exister. Aux États-Unis, oui, alors que, pourtant, alors que pourtant, il est quand même. Je oui. dire, la plupart de Hollywood est quand même très marqué à gauche. Oui, on oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il, il n'est pas interdit d'être à droite. C'est ouais. plus une question, on va dire, d'idéologie, parce que oui. je pense que ces milieux-là sont quand même plus tentés par euh, cette espèce de centre-gauche mondialiste, euh, mm -hmm. etc. Mais comme tu dis, il y a Clint, Clint Eastwood, il y a Chuck Norris, que j'aime pas particulièrement. Oui, enfin, oui, mais voilà, ça existe. Hein. Ça existe, voilà, ça existe. Il oui. y a Jean-Claude Van Damme, il y a, mm. etc., etc. Bon, il voilà, y, y, ouais. y a du cinéma de droite, il y a eu des films, il y, y, y a même eu du cinéma de droite assez. Euh, plus, plus D'un niveau plus intélo que ça. Hein. Oui, tout à fait, Donc, tout à fait euh, on a cité des films populaires, mais il est vrai que le simple fait que, par exemple, un genre comme le film de revanche existe aux États-Unis montre que l'esprit de droite n'est pas interdit au cinéma. Oui, parce que. C'est difficile chez nous à faire ça. Oui, les... mais parce qu'aux États-Unis, c'est vrai qu'il n'y a pas une idéologie qui va contre le peuple américain. Ça va toujours dans le sens du peuple américain. Moi, ce qui, me, ce, qui me, ce qui me plaît beaucoup, par exemple, c'est quand j'ai vu ces cérémonies sur le 11 septembre, oui. les, les attentats où on mettait tellement en avant. Euh, les gens qui sont tombés, puis le, les classes moyennes, on mettait vraiment en avant le peuple américain, beaucoup plus que ce qu'on fait ici. Ici, on sent qu'on se force un peu à ça, et qu'on veut enrober tout ça dans la République, l'antiracisme, euh, oui, le si oui. le, 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 le là. Euh, bon, euh, Là-bas, on, on, on se penche vraiment sur euh, le, ce que subit le peuple. Oui, oui. Et je pense que effectivement le cinéma est dans ce ton-là, c'est-à-dire qu'on fait quand même la promotion de l'américain lambda. Quoi, voilà. Quand il y a des attentats aux États-Unis, on ne dit pas la République a été attaquée, on dit les États-Unis. Voilà, <laughs> c'est quand même. Ex euh, exactement. C'est la mine de rien, c'est pas qu'une question de termes. Bien ça, sûr, ça veut dire beaucoup de choses. Les, les mots veulent dire beaucoup de choses. Maintenant, Olivier, j'ai une question pour toi à 100 000 euros, 100 millions d'euros. Est-ce que je les ai à la fin <rire> <rire> Oui, je les ai dans une petite balise euh, bon. C'est dur à dire, mais est-ce que pour toi, la mondialisation n'est pas un processus inexorable C'est-à-dire que qu'on peut le critiquer, mais comment l'enrayer, ce phénomène, finalement Est-ce que c'est possible, vraiment Mais c'est un processus inexorable parce qu'on l'a lancé. Oui. Euh, on l'a lancé. C'est Tu as lu Vers la chute de l'Empire occidental, qui mmh. est mon premier livre. Mmh. C'est pas arrivé par hasard. La mondialisation n'est pas arrivée par hasard. Alors, qu'il y ait un développement des échanges grâce aux techniques de communication et aux moyens de transport, oui. c'est évident. Mmh. Évident. Mais la mondialisation a vraiment été lancée à toute vitesse parce que, à la fin de la guerre froide, quand le, le mur oui. s'est écroulé, les États-Unis ont, sur la base d'un livre qui s'est très répandu, qui a été très étudié, qui s'appelle La fin de l'histoire et le dernier homme de Fukuyama, mm -hmm. les États-Unis ont cru qu'ils n'avaient plus d'adversaires sur la planète, que c'était fini, que maintenant c'est le mode de vie occidental qui va s'imposer partout oui. et qu'on va faire du monde entier un vaste marché. Voilà, c'était ce qui était dit dans euh, ce livre La fin de l'histoire et le dernier homme de Fukuyama, où il expliquait que les jeunes du monde entier rêvaient de porter des jeans, mmh. d'écouter euh, des chanteurs de rock et mmh. de devenir des occidentaux comme tout le monde. Mmh. Voilà. Euh, et donc, qu'est-ce qu'on a fait ben, On a favorisé les pays émergents. Mmh. Et on s'est dit, voilà, on va implanter nos usines euh, en, en Chine, en Inde, etc., dans tous ces pays-là. Et nous, les Européens, nous, les Américains, on va euh, se recentrer sur d'autres types de travaux, des travaux plus intellectuels, euh, la conception, le marketing, euh, la finance, etc. etc. Oui. Ou alors des produits à très forte valeur ajoutée, des produits de luxe, euh, d'autres technologies, etc. Et on va vendre à ces peuples qui vont nous fournir des biens de consommation courante, mmh. on va leur vendre nos produits élaborés. Finalement, on va gagner autant et même plus, et puis eux vont progresser. Et donc, on va assurer la sécurité du monde en euh, répartissant la prospérité partout. Oui. Voilà. C'était ça l'idéologie. Et la Chine s'est développée. La Chine n'avait pas les moyens de se développer toute seule. Oui. La Chine s'est développée parce qu'en 1989, il y a eu les événements de la place Tiananmen, que Deng Xiaoping, qui était le dirigeant, et un dirigeant de très très haut niveau, intellectuel, d'une capacité extraordinaire, euh, il a vu qu'il ne pouvait pas tenir comme ça, que les gens, ce pas tellement de la liberté qu'ils réclamaient, c'était plutôt de quoi manger, du travail. <laughs> oui. voilà. Euh, bon, C'est la base, oui. euh, voilà, très, très importante, la population chinoise, et il se posait la question comment je vais nourrir tout ça bon. mmh. Et euh, il était parfaitement conscient que la Chine d'elle-même de, mmh. n'avait pas les ressorts. Oui. C'était un pays communiste depuis 40 ans, donc complètement largué, qui ne connaît pas les marchés, qui ne connaît pas les techniques de travail. Qui, qui est à des milliers d'allées-lumières de tous les autres pays occidentaux. Donc, lui a saisi la main tendue par les grandes multinationales euh, Occidental, occidentales, américaines, européennes, et il s'est dit, mais on va acquérir un savoir-faire, on, on va s'aplatir ouais. devant eux, on va leur donner tout ce qu'ils veulent, on va ouais. leur donner des à bas de la main-d'œuvre à, à, à bon marché, on va être leur, leur paillasson. Ils se fait. sont adaptés. Voilà. Ouais. Ils ont fait tout ce qu'il fallait parce qu'ils savaient que derrière, ils allaient récupérer du savoir-faire. Oui. Et petit à petit, ils n'allaient pas s'arrêter euh, à, à cette simple position de sous-traitant euh, bas de gamme. Mmh. Petit à petit, ils ont acquis des connaissances, ils ont acquis une, des compétences, ils ont acquis la connaissance des marchés. Et maintenant, ben, voilà, vrai. il suffit d'ouvrir les yeux. Oui, sur le peuple chinois est un peuple intelligent et en, qui a une forte démographie. Ah, donc, voilà. forcément, quand en voilà. plus il y a la réussite économique voilà. derrière. La réussite économique, il y a ce que je décris au niveau de, de la Chine, mais aussi de la Russie. Une politique qui se déroule sur 10, 15, 20 ans. D'accord. Ouais. Quand nous, pays ultra démocratique, on est capable de changer d'orientation au bout de deux ans parce que le gouvernement a des mauvais sondages. Mmh, c'est vrai. Ah, ah, c'est voilà. important d'avoir une vision à long terme, euh, ah, oui. sinon le pays n'est pas vraiment. C'est clair, clair, ce sont des pays qui ne subissent pas la pression de l'opinion publique. Euh, quand nous, bon, on la subit, c'est normal, c'est démocratique, mais enfin, il faut dire qu'il y a des moments où c'est même, même. Ça pose problème. Bah, quand vous voyez, écoutez, quand tu vois, euh, quand même, euh, je ne sais pas, on, on subit la pression, on va dire des cheminots qui font grève, enfin oui, ils bloquent des trains, mais les avises ils bloquent quoi Ils bloquent rien du tout, mais on cède même à cela. Mais où va-t-on aller N'importe qui qui constitue un petit groupe peut bloquer tout et n'importe quoi dans ce pays. Donc ça prouve qu'on est quand même dans un système qui n'est plus vraiment démocratique, qui est un système où c'est la force de pression des uns et des autres. Moi en fait, ma vraie question c'était par exemple, l'uniformisation du monde, le fait qu'on trouve les mêmes enseignes partout, les mêmes entreprises, les mêmes fast-food, etc. Ça semble un petit peu euh, difficile à enrayer. Comment, comment arrêter ce processus sans verser dans l'isolationnisme, en fait C'est un, un équilibre qui n'est pas facile à trouver. Mais ça aussi, ce n'est pas dû au hasard. Oui. Ce n'est pas dû au hasard. Pourquoi les multinationales sont en train de tout racheter Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. Je veux dire, moi, moi je, je fais appel à mes souvenirs. Tu es plus jeune que moi. Oui. Euh, quand on se baladait dans les rues de Paris, bon, il pouvait y avoir des chaînes mmh. de restaurants ou des chaînes de magasins d'habillement ou autres. Bon, mais ben là maintenant, il n'y a plus que ça. Il mmh. y, y a de moins en moins de restaurants indépendants, de moins en moins de magasins d'habillement indépendants, de moins en moins de, de, oui. de tout. Il y a de moins en moins d'indépendants. Bon, mais ce n'est pas du hasard. Déjà, les multinationales profitent de la main-d'œuvre à bas coût et de, 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 mmh. de choses dont elles ont accès que les autres n'ont pas. Mais si oui. en plus, si en plus, elles arrivent à échapper au système fiscal du pays dans lequel elles travaillent, oui. euh, elles créent une distorsion de concurrence qui est monumentale. Elles, elles ont des économies sur l'entreprise le, le, lambda qui est à un niveau national. Elles, elles ont des coûts qui sont réduits à tous les échelons, au niveau de la masse salariale, au niveau des charges sociales, au niveau de la fiscalité, à tous les niveaux. Donc, partant de là, bah, elles écrasent tout le monde. Hmm. Mais c'est aux États de remettre de l'ordre dans tout ça. Il y a une concurrence déloyale et l'État ne fait pas son travail de régulation. Bien entendu. Donc, ouais. Tout a commencé avec l'Uruguay Round dans les années 90 et l'ouverture des frontières à tout craint. Oui. On ouvre les frontières avec une idéologie, un mot d'ordre même qui était dans ces réunions, qui était euh, préférence pour les pays du tiers monde. Ça a été dit comme ça. Ah bon ça, Ah ben c'est pas moi. Hmm. Là, c'est pas mes supputations euh, de complotiste, de souvenez. Non, c'était dans les réunions de, de l'OMC. Euh, alors à l'époque ça s'appelait le GATT. Après c'est devenu l'OMC justement. Hein, ouais. L'OMC qui est un peu l'ONU du libre échangisme en quelque sorte. Hein, okay. voilà. Bon, dans ces réunions, on disait il faut donner la préférence au tiers monde. Ouais. Voilà. C'était marqué, expliqué comme tel. Mm. Et donc, il y a eu une priorité qui a été donnée au Tiers-Monde. Le Tiers-Monde étant le lieu de colonisation des multinationales, oui. parce que de lui-même, il n'allait pas y arriver. Oui. Voilà. Donc, il y a cette alliance, c'est-à-dire que les grandes entreprises... Euh, il y avait un proverbe qui disait, il y a, il y a 30 ou 40 ans, euh, ce qui est bon pour General Motors est bon pour les États-Unis. Mm -hmm. C'est fini. Le, le, le oui. pacte gagnant-gagnant est terminé. OK. Ce qui est bon pour General Motors est mauvais pour les États-Unis puisque General Motors, ce qui est bon pour elle, c'est d'aller produire des voitures ailleurs. Oui, oui ils sont délocalisés. Voilà, là. et de les vendre ici. Oui, oui. Voilà. Donc, euh, il est bien évident que a la mondialisation a été favorisée oui. par euh, l'absence de, 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 de défense des intérêts des États. J'en ai parlé au tout début quand tu m'as demandé pourquoi oui. tu es de droite. Je t'ai dit c'est un territoire avec un peuple et des intérêts oui. qu'il faut défendre. Oui. Euh, on ne défend plus. Les États n'ont plus défendu nos intérêts. Ouais. Oui, en fait, ce que tu dis, c'est que la vraie question qu'il faut se poser, c'est dans quelle mesure l'État intervient ou n'intervient pas dans cette mondialisation. Si un processus a été fait dans un sens, il peut, l être, il peut être fait dans un autre sens. C'est ta théorie. Mais la preuve, oui. ce n'est pas une théorie. Mmh. C'est bien Donald Trump qui dirige les États-Unis depuis un an. Oui. C'est bien Donald Trump qui a commencé à taxer les délocalisations. Et qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qu'on voit mmh. Il y a une usine Ford qui a commencé. La construction était déjà entamée au Mexique. Ils ont arrêté et ils ont remis l'usine aux États-Unis. Ouais, est vrai. On est d'accord Le groupe Fiat-Chrysler, qui lui aussi devait délocaliser, a dit au contraire qu'il a créé 60 000 emplois. Ouais. 60 000 emplois. Pourquoi Parce qu'on a agi sur les charges qui pèsent sur les salaires. On a agi sur la fiscalité et on retaxe les délocalisations. Il ne s'agit pas de taxer tous les produits d'importation. Mmh. Moi, je ne suis pas pour la fermeture des frontières. Oui. On est bien d'accord. On est là. Il y a des échanges. C'est normal qu'on aille prendre des produits qu'on ne fabrique pas nous-mêmes ou on n'a pas le savoir-faire, qu'on aille les acheter ailleurs. Oui, oui, c'est normal oui. et c'est bien comme ça. Oui. Tu as raison de le répéter, mais être voilà. de droite ou nationaliste n'implique pas aucun échange avec les pays. On n'est pas la Corée On du Nord. On est pour les vrais échanges. <laughs> oui, oui, Je vais même dire mieux, c'est nous qui sommes pour les échanges. Mmh. Les vrais échanges entre des entreprises qui viennent de partout et qui sont l'émanation des énergies et du savoir-faire d'un peuple mmh. et de sa diversité, de la diversité qu'il peut y avoir. Alors qu'au contraire, ce qui est en train de nous pondre, les, les, la mondialisation qui est plus ou moins voulu par les États ou en tout cas on ferme les yeux, mmh. c'est une espèce d'uniformisation des productions. C'est tout à fait le contraire. C'est bien nous qui sommes entre guillemets nationalistes, oui. qui sommes pour la diversité des échanges. Mmh, je comprends. C'est ouais. vraiment comme ça, ça que ça semble le vois. paradoxal. Mais voilà, parce que ben non, parce que moi je suis pas pour la fermeture des frontières. Mmh. Moi je suis pas pour dire tout le monde va devenir français ou tout le monde va devenir italien ou allemand, etc. Non. Oui. Et chacun a ses spécialités. Chacun produit avec son savoir-faire et, et, et l'énergie qu'il a. Et ensuite, on échange ce qu'on ne sait pas faire, mmh. ou ce que d'autres font mieux. C'est oui. la logique. Ça, le libéralisme a toujours prôné ça, d'ailleurs, depuis Ricardo, etc. Bon, on ne va pas faire de la théorie économique, mais euh, par contre, là, on est dans quelque chose de tout à fait différent. On est dans euh, l'uniformisation généralisée oui. par un groupe qui est une oligopole, qui capte euh, la quasi-intégralité des capacités de production, qui écrase la concurrence, parce qu'elle a toutes les lois pour elle, oui. et, et qui, qui écrase tout le monde et qui finit, finit par fournir tout partout, c'est-à-dire que euh, si tu veux, maintenant tu vas dans n'importe quelle ville de France, tu, tu te balades dans une périphérie, tu sais pas si tu es à Grenoble, tiens, ou à Paris, ou à Lille, ou je ne sais où. Euh. Si tu le mentionnes dans un de tes livres, c'est que même François Hollande n'a pas pu s'empêcher de le dire. Il a dit, on a l'impression d'être partout, au même endroit en France. Mais, mais quand on a lu ce fameux livre, euh, ouais. euh, euh, que comment ça s'appelait? qui a été écrit par les journalistes Davet et Lhomme, on s'est rendu compte qu'en fait François Hollande pouvait être très bien. Ah oui, c'est vrai, je n'ai jamais été livre. aussi d'accord avec lui que dans ce livre. C'est vrai. C'est agaçant ouais. d'ailleurs, on se dit, mais, mais oui, on est d'accord. Mais Pourquoi ah, on n'a ouais. pas vu ça dans sa politique C'est étonnant. Ah, tout simplement parce qu'il n'était pas mandaté pour ça. Mais oui, exactement, ouais. Ouais. Oui, même des paroles sur l'immigration qu'on n'aurait pas soupçonné chez mais lui. surtout. On mettra la référence de ce livre. Mais écoute, Olivier, je te propose de faire une petite pause, on revient oui. dans une deuxième partie, on se rafraîchit un peu, reste avec nous. Merci. Deuxième partie, Vive l'Europe, toujours avec Olivier Piacentini. Oui. Merci encore d'être à mes côtés. Alors, on a parlé de mondialisation euh, avant de terminer la première partie. Euh, à la fin de, de ce livre que je présente, qui est le dernier en date, donc la, la mondialisation totalitaire, euh, dans, dans ta conclusion, tu euh, t'inquiètes tu euh, notamment de des nouvelles technologies et de ce qu'elles peuvent amener comme le transhumanisme et le fait que, euh, selon toi, ce sera réservé à une certaine élite. Est-ce que tu peux un peu nous en parler Qu'est-ce qui, qu qui te fait peur en fait dans cette idée-là que, quelle, quelle est ta crainte par rapport à l'avenir C'est vraiment une peur que euh, les savoir-faire euh, aujourd'hui d'allongement de la vie qui sont en fait médicaux, mais ça va au-delà de ça parce que véritablement il y a la capacité à allonger la, la, la durée de vie mm -hmm. tout en euh, améliorant les potentialités de l'être humain. Bon, oui. et c'est des choses qui sont étudiées, mais qui sont étudiées où et par qui Il mm. euh, y a une société qui a été fondée euh, par Google et qui est hébergé dans un des sites de Google ultra secrets. Oui. Euh, donc je ne sais pas, j'ai du mal à croire quand même que tout ça puisse être euh, déjà, qu'est-ce que ça va donner enfin, Est-ce qu'on est est qu approche presque de l'immortalité C'est quand même une question qu'il faut se poser, parce que là, à ce niveau... Je, on je va... comprends, mais je ne vois pas en quoi tu t'en inquiètes. C'est censé être un bien pour l'humanité. Je ne sais pas d'allonger la durée de vie, par exemple. Bah, écoute, l'allongement de la durée de la vie, euh, il est déjà en marche depuis bien longtemps. Mm -hmm. hein, puisque moi, bon, je me rappelle, euh, et, et, et en plus avec quand même une certaine amélioration de la condition humaine. Oui. Parce que moi, je me rappelle, bon, quand j'étais gosse, euh, quelqu'un qui avait 70 ans, il faisait vraiment vieux. Maintenant, quelqu'un de 70 ans, bon... Peut-être fringant, euh, s'il prend soin de lui. Ouais. Oui, oui, s'il prend soin de lui, peut-être fringant, comme tu ouais. dis. Donc, euh, il y a quand même une amélioration. Et puis, on voit quand même qu'il y a beaucoup de gens qui finissent par être atteints par Alzheimer ou par d'autres types de maladies, euh, qui ont une fin de vie quand même difficile parce qu'il y a quand même l'isolement, euh, etc. Oui. Donc moi, je ne suis pas, évidemment, pour qu'on arrête les progrès scientifiques, mais il me semble que là, on va vers quelque chose qui, euh, déjà, va être capté par une multinationale en particulier, mmh. qui est Google, oui. euh, qui va être vendu, très certainement, à prix d'or. À prix d'or, donc qui va être réservé à une, une toute petite élite. Mmh. Je veux dire, de la même manière qu'on fait de l'élitisme économique en écrasant... Euh, pratiquement toutes les PME, euh, et maintenant même, même les entreprises de, de taille nationale. Et je dirais même les multinationales plus faibles qui se font elles aussi engloutir mmh. par euh, les plus forts, puisqu'on a vu quand même des concentrations, euh, et on a vu quand même euh, bon, euh, la BNP racheter Paribas etc., euh, racheter la BNL en Italie, etc., etc. Donc bon, ben, on est dans un monde où c'est vraiment euh, oui. euh, l'élitisme à tout craint, qui, qui absorbe tout, qui avale tout, euh, oui. et qui constituent des puissances considérables, je, je pense que euh, l'avancée dans la recherche dans ces domaines-là va créer euh, une humanité euh, suraméliorée, mais réservée à une petite équipe... En sort, tu, vois, tu, tu vois vraiment un, un jeu à deux vitesses avec... Euh voilà une classe moyenne et des pauvres enfin des gens normaux qui, qui avancent toujours enfin euh, qui restent un peu dans, dans leur euh, dans leur vie quotidienne et puis une élite qui elle euh, améliore Bien sûr. son bah, ouais. à mon avis oui je, je, je vois les choses comme ça et d'autant ouais. plus que par exemple il y a aussi euh, la résurgence d'une forme d'eugénisme oui. avec euh, bon tout ce qui est PMA GPA et puis la sélection euh, de semences euh, particulières pour avoir. Euh, oui. euh, voilà, euh, pour, euh, pour faire naître quelqu'un qui va avoir les yeux bleus ou telle taille ou tel niveau d'intelligence, etc. Donc tout ça, c'est déterminé par quoi bah, Par le QI, euh, mmh. par le. Par le, par le le, je veux dire, le prix que les gens sont capables d'y mettre. C'est-à-dire qu'il est bien évident que on va te dire que la, la personne va être ensemencée par euh, oui. quelqu'un qui a un QI de 150, mais euh, évidemment que personne ne va choisir un QI de 80. Oui. Donc il est bien évident que euh, ça, va, ça, ça va être payant. Donc on va toujours arriver dans un système où euh, il y a une forme d'eugénisme et d'un eugénisme payant. Donc la constitution d'une humanité qui va, dès la naissance, oui. avoir euh, une, avance, une avancée considérable par rapport aux autres. Je comprends. La constitution presque d'une du, Ta... nouvelle race d'êtres humains. Je comprends. Ta crainte, c'est une société de caste où vraiment certains peuvent se permettre d'avoir des enfants surdéveloppés. Voilà. Euh, cependant Et que les autres restent... Euh... Maîtrisés par les progrès de la génétique. Ouais. Euh, qui va donc créer en quelque sorte une nouvelle race comprends tôt, ouais. hein Les... euh, comme on va créer des nouvelles races de fleurs ou de, de, mmh. de, de tomates euh, qui pourrissent moins vite etc bah, j'ai ouais. l'impression qu'on est en train d'arriver un peu à ça quand même d'accord tu ne crois pas qu'il y aura une démocratisation de ces nouvelles technologies comme par exemple au, au, dans les années 90, il n'y avait que les personnes riches qui avaient des téléphones portables et aujourd'hui tout le monde en a. Tu ne crois pas que ce sera le cas pour cette... Euh... Du, euh, sincèrement, tu je ne suis pas, pas prophète, ouais, ouais. je ne sais pas. Euh, je pense que ce n'est pas comme le téléphone portable parce que le téléphone portable, euh, bon, ben c'est un, un produit qui un après outil, va di di oui. diffuser industriellement. Oui. Mais enfin, le coût des semences et des graines et des choses comme ça, on ne peut pas le fabriquer industriellement. Enfin, pour le moment, ce n'est pas connu. En hmm. tout cas, le... j'ai quand même l'impression que ça va nous conduire à euh, des... des, des dérives euh, qui risquent d'être euh, particulièrement okay. euh, qui risquent de nous, de nous faire entrer dans un autre, un autre monde une autre histoire une autre humanité mmh. et moi je n'ai pas envie de ça franchement euh, non. Ah bah j'ai envie qu'on profite encore du progrès que ça il n'y a pas de doute mais euh, j'ai pas envie qu'on constitue une nouvelle forme d'humanité qui qui serait au-dessus des autres. Qui dépasserait. Ouais. Voilà. Mmh. Alors, dans cette même conclusion, en fait, tu, tu parles de, du meilleur des mondes, d'aldo Huxley, tu parles de 1984. Oui. Et en fait, tu en arrives à cette thèse qui est finalement que la, la réalité virtuelle et les réseaux sociaux sont l'opium du 21 siècle, en quelque sorte. Ça endort les gens, ça les fait vivre une, une seconde vie qui n'est pas la vraie vie. Est-ce que tu peux un peu revenir là-dessus Qu'est-ce que tu entends par là vraiment Mais... C'est vrai, ça, on parle un peu du, du, du meilleur des mondes d'Aldo Huxley, où il y avait en fait une humanité qui était répartie en une certaine hiérarchie de castes, oui. avec des capacités différentes. Une humanité qui, d'ailleurs, les castes étaient formées par la génétique. Mm -hmm. hein, C'est la génétique qui euh, créait des individus de tel ou tel type de caste. Oui. Et il est bien évident que les castes inférieures étaient, bien entendu, avaient une vie qui était beaucoup moins passionnantes, oui. beaucoup moins intéressantes, euh, qui les impliquaient individuellement beaucoup moins. Mm. Et comment est-ce que, je, je parle du roman d'Adolphe Sucre, bien sûr. Hein, mm. Comment est-ce qu'on leur faisait avaler la pilule, ben justement avec des pilules, enfin ou des drogues ou des oui. choses oui. comme ça. Voilà, c'est La métaphore euh, était simple. c'était voilà, oui, bah, <laughs> <c> basique. <laughs> hein, c'est qu'on leur faisait appeler, une, 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 on leur faisait prendre une. une une, euh, une genre de drogue, je ne sais plus oui, exactement oui, comment oui, elle oui, s'appelle. Ouais. Voilà. Et euh, on, 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 on plongeait les gens dans un espèce d'univers euh, virtuel et psychédélique qui font que ils... la vie se passait comme ça. Il y avait une sorte de bonheur artificiel. Voilà, alors. etc. Mais au fond, euh, tout ça a déjà existé sous l'Empire romain finissant. Mm. C'est-à-dire sous l'Empire romain, romain finissant, euh, euh, que se passait-il Eh bien, euh, les riches romains, au lieu de faire travailler la plèbe romaine, qui mm. coûtait cher... Oui. Euh, faisait travailler les agriculteurs et les paysans du Nil ou euh, de, de, de Carthage ou d'autres de, de, régions de l'Empire. Une civilité en fait. Et oui, et puis comme, comment est-ce qu'on passait la pilule encore une fois euh, à la plèbe romaine, eh bien, en, en l'abrutissant de jeux, euh, les jeux du cirque, mmh. les courses de chars, etc. Bon, euh, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas un peu quand même euh, aussi entré dans un système de ce genre où il y a beaucoup de chômeurs, et puis bon, ben, on voit se développer la française des jeux, les oui. jeux vidéo, les univers virtuels, etc. Je ne parle même pas des drogues, évidemment. Hein. Mmh. Euh, donc on a l'impression qu'on a. Euh, à mon sens, euh, une certaine partie de la population qui ne vit plus une vie concrète, mmh. qui est un peu en marge et qui est endormie à la fois par euh, la culture du divertissement des médias, euh, mmh. euh, de l'entertainment, excuse-moi euh, pour l'anglicisme, mais, mais moi aussi moins les gens euh, comprennent de quoi on parle, mais aussi des jeux euh, vidéo ou alors euh, des, des jeux de hasard. Tout court, enfin, mmh. on a l'impression quand même que tout ça se développe. D'accord, voilà, mmh. et endort un petit peu la population et, hein. et lui permet de, de de supporter la vie difficile qu'elle a et euh, oui, oui, oui. ça lui permet d'oublier euh, son ses, ses difficultés. Oui, oui. Au, au, au milieu de ce, ce progrès qui peut sembler euh, anxiogène sur le, sur le papier, est-ce qu'il n'y a pas quand même des raisons de se réjouir, par exemple Tu fais le constat du fait que nous allons aller vers un monde qui a de plus en plus de richesses avec de moins en moins de travailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, le fait que certaines, certains emplois disparaissent, est-ce que c'est pas un bien quand on, Je sais pas, par exemple, quand on voit Charlie Chaplin dans les temps modernes, ces gens-là qui travaillaient en usine, etc., qui faisaient des travaux très fastidieux, etc., que, que ça n'existe plus, est-ce que c'est si dramatique que ça Est-ce que ça peut pas euh... emmener les gens vers autre chose Oui, mais pourquoi pas Mais euh, vers quoi puisque pour le moment, c'est quand même le chômage qui se oui. développe le plus. Oui, c est, c est je sûr. veux dire, on a le même processus qui existe depuis euh, le début des années 70. Oui. Euh, bien sûr qu'il y a des métiers de substitution qui sont arrivés, qu'il y a d'autres métiers, et que globalement, il y a peut-être même une élévation mm -hmm. des critères qualitatifs et de bien-être oui. et, et d'implication euh, intellectuelle ou, 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 je dirais, de, 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 de plaisir ou de créativité dans les nouveaux métiers qui, qui sont arrivés. Mais le fait est que numériquement... Euh, en France, il y a quand même 6 millions de chômeurs, oui. si on prend toutes les catégories, alors qu'il n'y en avait même pas 500 000 en 1970. Oui. Bon, ben voilà, donc euh, ces gens-là sont là. Et quand je parle, il ne faut, il faut pas oublier non plus que quand il y a euh, 6 millions de chômeurs, il y a une dégradation des conditions des autres salariés mmh. au niveau de leur salaire, au niveau de leurs conditions de travail, puisqu'il y a la pression du chômage qui fait qu'on leur impose des conditions et des salaires. Voilà, donc euh, moi je veux bien tout ça, mais pour le moment c'est pas vraiment concret. En tout cas, la substitution n'est pas parfaite. D'accord. Et j'ajoute que c'est exa exactement euh, ce qui a été dit au moment de la chute du mur de Berlin, encore une fois, euh, à travers le fameux livre de Fukuyama, euh, La fin de l'histoire et le de dernier homme, où on nous expliquait que bon, ben, euh, les autres allaient euh, occuper les fonctions ouvrières, et puis nous on allait occuper les, les, les meilleures fonctions. Et voilà. Oui. Bon ben alors déjà les autres euh, occupent les fonctions ouvrières puis nous taille des croupières même sur le reste mmh. pour commencer oui. hein, ce qui explique d'ailleurs en partie euh, certainement le chômage et puis même on n'a jamais compensé les emplois perdus euh, dans l'industrie par euh, d'autres types d'emplois mmh. on les a jamais compensés parfaitement alors vous me parlez de ces travaux qui étaient difficiles oui c'est vrai Hmm. C'est vrai. Enfin, on parle des années 30 aussi. Peut-être que dans les années 60 ou 70. Oui, oui. J'ai donné l'exemple qui me vient en tête, mais je veux dire vrai. que certains métiers disparaissent n'est pas forcément un mal dans le fond. C'est ça que je voulais dire. Bah, c est, c est, c est, c est, on pouvait améliorer les conditions de travail. Je pense que dans les années 60, 70 ou 80, oui. euh, ces mêmes travaux étaient quand même beaucoup plus supportables. Mm -hmm. Beaucoup plus supportables. Et puis, mine de rien, les gens travaillent. Ils sont quand même dans un groupe ils sont sociabilisés. Euh, ils sont quand même sur un lieu de travail, ils sont valorisés par le fait qu'ils occupent un emploi. Donc, ce que tu veux euh, dire, c'est cette une inactivité une totale euh, n'est pas bon pour pour l'humain. Mais c'est clair. Mm. Mais c'est clair. Mais il suffit de voir les gens à qui savent. Mm. Or, les gens qui sont rentiers et qui peuvent se permettre de faire autre chose. Mais oui. l'individu lambda euh, qui ne sait pas forcément comment occuper ses journées oui, 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 euh, intellectuellement mm. ou autre et qui se retrouve complètement au chômage mm. euh, doit quand même ressentir une certaine euh, euh, une certaine frustration et même plus que ça même, oui, oui, même oui. parfois un certain désespoir vrai. de ne pas pouvoir apporter euh, son utilité de, de ne po pas pouvoir être un rouage dans la société alors il y en a qui sont satisfont très bien oui, ça c'est clair fait, tout à fait oui, oui. mais il y en a quand même non et, et, et après ça donne quand même même aux nouvelles générations une autre image mm. Vous voyez euh, une, une autre image de la société du travail je comprends hein. voilà bah, moi je, pour aller dans ton sens il est vrai que j'ai Grand... Bon, moi, je ne suis évidemment pas dans cette catégorie. Vous le connaissez. Moi, actuellement, je suis sans emploi parce qu'en fait, je, je, je consacre ma vie à la lecture, à la pensée, à l'écriture. Je vais bientôt sortir. Bah, un mais livre. Tu as un emploi puisque tu fais des émissions. Effectivement, ce n'est voilà. pas un emploi, on va dire, validé par l'État, mais j'ai une activité. Voilà. Mais je, effectivement, j'ai déjà fréquenté des gens qui, lorsqu'ils étaient au chômage, avaient une angoisse. Mais bien Après, sûr. Ils n'étaient pas heureux et ils voulaient vite trouver un travail bien sûr. parce qu'ils ne savaient pas quoi faire en fait, euh, de leur journée. Donc, c'est. Euh... Là-dessus, je suis d'accord avec toi, c'est qu'il faut combler ce vide, même si des... Mais les bien sûr, mais, mais, puisque tu me parles de ton cas, toi, oui. donc toi qui... Te considère sans emploi, alors que quand même tu travailles, tu fais des émissions, oui, oui. tu fais des émissions d'un certain niveau intellectuel, mm -hmm. c'est la société justement là qui a un problème, de, de ne pas trouver ça, un ça, emploi oui. par rapport à des personnes comme toi qui sont déjà d'un certain niveau. Moi mm -hmm. hein, bon, je ne connais pas ta situation, mais enfin, ça, ouais. ça, me, ça me paraît clair. Oui. Mais je veux dire, tu n'es pas sans emploi. Bien Et, sûr, et, oui. et, ta, et ta vie, tu l'occupes avec euh, des activités qui sont un peu de la distraction, qui sont une passion, mais. Mm -hmm peut-être à la longue vont finir par être... Bien sûr. Euh... En fait, quand on en parle d'emploi, on parle d'activité. En fait, on... bah oui. Certains sont sans activité, c'est-à-dire qu'ils n'ont elle... pas d'emploi, ils ne font rien. Est-ce est que tu travailles ou est-ce que tu te distrais <laughs> C'est du travail, même si j'y prends du plaisir. Voilà, euh, voilà. exactement. <laughs> Alors, je saute un peu du coq dans ce livre qui est très intéressant, que je vais remontrer, euh, le dossier noir du, du socialisme. Tu évoques les années Mitterrand. <laughs> Euh, donc, en fait, deux, deux septennats, bien sûr. Mmh, mmh. Alors, je vais te poser une question. C c long. Ça, ça a été long. Ça sans doute <laughs> été long. Moi, je suis en 86, mais ça a dû être long pour les gens qui l'ont vécu. Mmh. Une euh, question un petit peu pointue euh, de, de professeur Cosinus, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un, un tournant libéral euh, quand euh, Attali s'est approché de, de Mitterrand a... Mais Attali était avec Mitterrand dès le début. Hein. ouais ah oui, 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 c'était son premier conseiller, dès 1981, il avait son bureau qui donnait sur Mitterrand, donc Attali, bah il est libéral quand il faut être libéral, il est socialiste quand il faut être socialiste, à l'époque la grande mode c'était le socialisme, oui, oui, oui. c'est-à-dire qu'on pouvait pas ne pas être socialiste, enfin quand on n'était pas socialiste, on était totalement ringardisé, c'était déjà le cas dans les années 70, oui. parce que l'idéologie socialiste euh, avait vraiment une empreinte dans la société, mm -hmm. même au niveau des étudiants, même au niveau des professeurs, on, on, on apprenait vraiment, même... À Sciences Po, on apprenait la planification marxiste. Oui, oui, oui. Et, et, et sous-entendu, c'est ça qui va venir. Il oui. faut quand même bien voir que c'est ces idées-là euh, qui étaient répandues dans les années 70 et jusqu'au milieu des années 80. C'est le tournant libéral de Thatcher et Reagan qui a véritablement provoqué un, un, un total revirement. Hein Est-ce que ça a touché la France, ce tournant, par écho bah, bah, Il l'a touché un peu, parce que, bon, euh, il est bien évident que le communisme n'a pas progressé que, bon, le socialisme a changé. Il a changé oui. de visage aussi. Hein. Euh, mais il est bien évident que l'étatisme, en tout cas, euh, a continué à proliférer en, en France et même jusqu'à aujourd'hui. Enfin, mmh. Il faut bien le voir. Oui. Quand, même, quand même, encore une fois, je reviens toujours sur le même chiffre, 57% de dépenses publiques captées par l'État, c'est considérable. C'est énorme. Oui, oui, c'est quelque chose qui, qui est affolant même quand on y réfléchit. Oui. Et, et on a l'impression que plus on va dans ce sens... Et, et plus la roue continue de... C'est un système sans fin, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure il faut s'occuper de ça, alors, mais en s'occupant de ça il faut aussi s'occuper de ci. L'État ne cesse de trouver des nouveaux terrains d'intervention, oui, oui, oui. au fur et à mesure qu'il en prend de nouveaux. Et, et il subit de plus en plus d'exigences au fur et à mesure qu'il continue d'étendre oui, oui. euh, son influence. Oui, oui, oui. Voilà, on a l'impression que c'est un phénomène qui, qui ne va jamais s'arrêter. <laughs> Moi j'ai une question un, un peu de politique-fiction, je ne sais pas si tu aura vraiment une, une réponse à ça, mais en admettant qu'un qu parti authentiquement libéral arrive au pouvoir, baisser les impôts, les dépenses publiques, etc., comment on ferait face à toutes les révoltes sociales qui... qui ah, voilà, que la France est vraiment tenue par, le, Telle est la question. par la gauche sur le plan des... Ah, sur le plan syndical et autres, oui, c'est une bonne question. D'ailleurs, combien de gouvernements se sont heurtés à ça Parce que finalement, oui. euh, ce, ce, ce tournant libéral... Euh, a déjà été euh, amorcé euh, sous Chirac avec Juppé par exemple oui, oui, oui. bon oui, tout à fait. ça a duré et un a, mois a, et demi y le y a temps y a que est-ce voilà. voilà. Est que en fait ce changement de société n'implique pas une, une dureté de l'État ça va avec le fait que un moment donné les, les manifestations sont bah, très clairement mais là aussi ouais. vous savez là aussi je vais peut-être choquer beaucoup de gens oui, oh, certainement pas moi, mais. Non, je mais, mais euh, <laughs> je, je, je vais dire quelque chose quand même qui est clair. Moi, je me rappelle. Là encore, j'évoque mes souvenirs. Oui. Beaucoup de, de mes livres sont liés à des souvenirs que j'ai mm -hmm. euh, d'une société qui était complètement différente. Mm -hmm. Et je vais te citer un cas. Il y a eu à Plogoff une, un projet d'installation d'une centrale nucléaire dans les années 70, d'ailleurs, elle s'est faite. Oui. Le président, c'était Giscard d'Estaing. Et le ministre de l'Intérieur s'appelait Christian Bonnet. Mm -hmm. Bien. Et il y a eu exactement la même chose que les zadistes aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui sont venus se mettre au milieu, et puis voilà, euh, non, non, on veut pas, blabla, etc., la centrale, pas là, euh, enfin, voilà. Euh, et puis, euh, il se trouve qu'il y a eu une offensive euh, des forces de police, CRS, etc., et mmh. qu'il y a eu des morts. Oui. Et moi, je me rappelle de l'interview de Christian Bonnet par Jean-Claude Bourret le lendemain. Euh, Jean-Claude Bourret, qui était le journaliste vedette à l'époque, et qui lui demande, enfin vous vous rendez compte, il euh, y, y a eu quand même ça a saigné, cette, euh, ouais. Ouais. et le ministre a dit, mais écoutez, moi j'ai eu des instructions du président de la République, qui a dit que rien ne devait arrêter la construction de cette centrale nucléaire, parce que les prix du pétrole ont flambé, il faut que la France retrouve son indépendance énergétique. Et c'est ça la priorité. Et, et il, il n'a même pas eu un mot pour, le, pour, les, pour les gens qui sont morts mmh. euh, du fait, euh, je veux dire, des de, CRS. Oui. Il n'a même pas eu un mot, enfin c'était quelque chose. Alors si vous voulez, on va dire qu'il était insensible. Mais au final, qu'est-ce qui se passe On est un pays qui a euh, véritablement plus d'indépendance énergétique que d'autres parce qu'on a l'industrie nucléaire. Mmh. Cette industrie nucléaire, on a su la vendre aussi à d'autres. Oui. Donc on en a fait une, économ... une, 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 une filière économique. Extrêmement prospère à part entière. Mmh. Euh, et est-ce qu'il est qu fallait donc épargner forcément euh, euh, tous ces gens qui ont manifesté euh, Est-ce que vraiment, on ne peut pas se poser la question oui. Surtout que le, la population et, et les électeurs voulaient ce, le nucléaire. Ça a été expliqué mmh. et les gens voulaient le nucléaire. Même s'il y avait une opposition d'écologistes, les gens voulaient le nucléaire. Ils ont toujours été derrière cette oui. politique qui permet aux Français de payer leur électricité moins chère, 20% moins chère que les Allemands, les Italiens, etc. Bon. Mmh. Euh, bah Aujourd'hui, on cède à tout le monde. Aujourd'hui, ça, ça tout ça, c'est parti euh, des manifs de Vaquet en 86. Il y a eu un mort qui était le fameux jeune mm -hmm. Malik poussekine qui n'a même pas été tué volontairement. Il a été brutalisé par les forces de l'ordre. On va pas leur dire que c'est pas bien. Mais comme il était diabétique, il en est mort. Mm -hmm. Et là, depuis, Chirac a dit là maintenant, les répressions des manifestations, il faut pas qu'il y ait le moindre incident. Oui. Voilà. Partant de là, il ben, y en a, il y en a qui abusent. Enfin, si vous voulez, on, ah, quand l'État quand l'État étale sa faiblesse au grand jour, bah, l'affaire Théo, c'était, ça n'était que ça finalement. Ah, mais, mais on pourrait en citer dix oui, comme oui, ça. Oui. On pourrait en citer dix. Vous voyez, euh, les, les, sur, sur les zadistes à Notre-Dame-des-Landes, c'est flagrant. Oui, oui. Enfin, vous allez quand même pas me dire, on sait le pourquoi. <laughs> c'est sûr. Mais on sait quoi. Aucune décision politique n'est possible et viable si en fait il y a pas derrière la fermeté quand même des institutions. Bien sûr. regardez. Au-delà même de l'opportunité de, de l'aéroport. Je ne pourrais pas parler, je ne sais pas. Ouais. Mais beaucoup de gens dans la région ont déchiré leur carte d'électeur parce qu'il y a eu un référendum. Ouais. Donc on fait voter les gens. Ouais. On appelle à la démocratie. On fait voter la population. Et au final, la population est obligée de se coucher pour quelques centaines de gens. Ça les dégoûte, bien sûr. Entre guillemets, des marginaux. Moi, j'ai rien contre eux, mais enfin, des, des gens qui, qui ne pèsent rien dans, dans, dans la, à l'échelle de la population. Tout française. à fait. Ouais. Voilà. Oui. c'est un peu comme en 2005 quand on a demandé l'avis aux gens. Ils étaient contre la, la, la constitution européenne. Finalement, on l'a faite quand même. Bah, Il faut oui. vous dire que ça a créé de nombreux bah, abstentionnistes les... en herbe. Hein. Il est bien évident qu'après, euh, l'État et les, les institutions euh, démocratiques ne sont plus crédibles. Ouais. Dans le chapitre 2, tu dis de ce même livre, là, Le dossier noir du socialisme euh, français, tu, tu parles de l'excès de fonctionnaires. Alors moi, j'ai une question très, très simple. Quel est le secteur où tu penses qu'on pourrait, en... pourrait être allégé en fonctionnaires, selon toi Je sais ah que tu n'es bah pas je toi le président que... de la République, mais enfin. Non, mais enfin, là, je pense vraiment qu'il y a des, des potentiels d'économie considérables. Oui. Déjà, mais tout ce qui écoute. est collectivité locale, oui. il y a un véritable millefeuille administratif avec euh, les communes, les intercommunalités, les départements, les régions. Mais là, c'est monumental. Mmh. Et d'ailleurs, le, le, le gros des augmentations des effectifs de la fonction publique, c'est la fonction publique territoriale. Mmh. Et là, tout le monde le sait. Les gens euh, dans toutes les petites communes le voient bien. Des tas de gens qui sont embauchés, on ne sait pas trop pourquoi, oui. qui sont là vraiment pour faire le nombre. Bon, il euh, y a même des sketchs euh, des... Comment est-ce qu'ils s'appellent Ces deux comiques toulousains, les Chevaliers du Fiette. oui Il bon, y a eu des sketchs à ce niveau. Bon, mmh. alors, évidemment, c'est caricatural. Mais... Il est bien évident que dans la collectivité territoriale, il y a beaucoup d'emplois de complaisance et qui correspondent à une certaine forme de clientélisme. Oui, oui. Euh, après, à côté de ça, c'est vrai, on va me dire, mais il faut quand même des policiers, il faut quand même des infirmières. Mais est-ce que c'est ces, ces, ces secteurs-là qui ont été favorisés ces dernières années mmh. Pas du tout. Ouais. Et tu sais pourquoi Non, je t'écoute. Bah, tout simplement parce que ces gens-là font rarement grève. Ah oui. Ah eh oui. Les policiers ne font pas grève. Les militaires ne font pas grève. Les infirmières... Euh, Rarement, elles ont des, des, des morts en puissance sur les bras. Alors, euh, bon, elles ont quand même euh, vrai. La, la retenue morale. Ouais. Les cheminots, par contre, ils font grève facilement. À la RATP, on fait grève pour un oui, pour un non. Bah, C'est peut-être oui, pas là. Cette réponse commence à me convenir. Ah, bah <laughs> voilà. Comment ça me Tout simplement. Donc, oui. moi, je ne suis pas, bah, évidemment, pour qu'il n'y ait pas d'infirmière, oui. qu'on soit mal soigné. Mais il est bien évident qu'en France, les sureffectifs de la fonction publique, euh, ce n'est pas forcément là qu'ils sont. Bien sûr. Hein. Et d'ailleurs, il y a un million de fonctionnaires en plus en France qu'en Allemagne, qu'en Italie ou ailleurs. Mm -hmm. euh, Est-ce que vraiment la police est plus efficace en France non, mais là, on peut dire que c'est l'État qui brime euh, Oui, bien sûr. ce que tu veux. Oui. Mais voilà, prenons un cas précis. C'est mmh. -ce ce... pas la quantité qui fait le. Oui. Voilà, c'est très clair. Si on ne laisse rien faire, elle peut même mettre euh, 20 millions de policiers. Et, euh... et je dirais même, s'il y a d'autres créneaux de la fonction publique qui font mieux entendre leur voix oui. et qui captent l'essentiel euh, des créations d'emplois dans ces secteurs simplement pour calmer et acheter la paix sociale, oui. eh ben, je pense même que la police va être défavorisée. Euh, au niveau militaire, il y a des généraux qui ont dit, textuellement, euh, voilà, euh, notre l'équipement des armées françaises sur le terrain est, est en dessous de celui des macédoniens. Euh, Terrible. Bah oui, ça a été dit. Donc euh, voilà, on se retrouve avec une dépense publique affolante. Oui. Affolante. Et alors, euh, on se retrouve avec une police qui n'est pas capable d'assurer la sécurité. Non pas que ce soit elle, la fautive, mais c'est le système en général et ses moyens qui l'empêchent mmh. véritablement euh, d'assurer de, de, euh, de, la sécurité comme les Français le souhaiteraient. Je comprends. Ouais. Bon. Euh, on a une éducation nationale. Est-ce qu'elle fonctionne Est-ce que vraiment on peut dire que c'est génial en France Moi, je sais pas. On me dit les effectifs de l'éducation nationale. Je crois que là, tu peux te lâcher. Hein. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais non, toi. mais je, je, <laughs> jusqu'à présent, je me lâche. Hein. J'ai ouais. rien dit de, ni de plus ni de moins que des fois. Qu'est-ce qu'il qu faut bon. ouais. Voilà. Euh, moi, euh, quand euh, Giscard a quitté la présidence de la République en 81, l'école française était considérée comme la meilleure du monde. Mm. Les gens ont oublié ça. Mm. La meilleure du monde. On disait la France, la meilleure école du monde. C'est toujours le cas aujourd'hui parce que les effectifs ils ont explosé hein. Oui. Par contre, on est 27e ou 28e, je sais même plus. L'autre jour, il y a une étude au niveau de la lecture ou des euh, de, de, euh, de je dirais des connaissances de base oui. au niveau des élèves sortis du primaire sur 50 pays dans le monde. La France était 37e, elle était derrière de tous les pays occidentaux, elle était derrière le Portugal. Oui. Voilà, ça, ça c'est quand même la réalité. Est-ce qu'il y a eu une baisse des effectifs dans l'éducation nationale Pas du tout. Il y a une augmentation continue. Simplement, je crois que la clé, elle n'est pas là. Oui. La clé n'est pas là. On, on peut avoir, à mon avis, euh, des services publics nettement plus efficaces si on réorganise, si on, on place les gens là où ils doivent être placés et si on change l'état d'esprit oui. général derrière tout ça. Oui. Tu as parlé de la police et, et je voudrais juste faire une petite digression à mon public. Dans le milieu de droite, il y a parfois une mentalité euh, à cab qui se diffuse, c'est-à-dire euh, all cops are à, à bastards, c'est-à-dire euh, l'idée qu'en fait. Euh, les policiers sont nos ennemis, etc., en tant qu'institution. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Bah, et je vais dire une chose. Il y a qu'à voir oui-vote. Hein. Oui, premièrement. Et surtout, ouais. regarder les chiffres de suicides suicide chez les policiers. Mais Bien sûr. Je peux vous assurer que s'il y a des suicides, c'est que les policiers ne font pas ce qu'ils voudraient faire. Et parce qu'on les, les en empêche. Bien sûr. Mais, mais, mais les policiers. Voilà. Moi, et moi, je le vois, je compare même là encore avec d'autres pays européens tout à fait démocratiques. Oui. Les policiers français sont carrément bâillonnés, menottés, même face aux délinquants. Et ils ne peuvent réagir que dans la mesure où. Euh, ils se font eux-mêmes agresser. Ils ne, ils ne peuvent euh, en fait réagir oui, oui, quand, oui. quand, quand légitime d'une défense. On dit que ça, ça protège la liberté. Mais, mais je suis désolé, moi je préfère que les policiers aient les moyens plutôt que les délinquants. Mm -hmm. J'ai quand même plus confiance dans des policiers, même s'il doit y bah, avoir qui abusent, logique, que sûr. dans des délinquants notoires. Oui, oui, oui. Ou, ou des voyous, de ou oh. dans toute la racaille qui, qui envahit nos banlieues. En fait, on, je veux on, dire, on prend des cas particuliers comme... Euh, bah oui. voilà oui... Bien sûr, il y a des salauds partout. Il y a bah, forcément ça, des gens qui vont se lâcher Bien sûr, mais enfin, on est en France quand même. Il y a des lois et puis les gens quand même réagissent Et puis, quand il y a vraiment des bavures policières flagrantes, Grande, les gens n'aiment pas ça en ça France. Ça se l'esprit français. Tout à fait. Voilà, ouais. c'est comme ça. Mais euh, je pense que là, on va trop loin dans l'autre sens. Oui. Euh, comme toujours, on va beaucoup trop loin dans l'autre sens, et, et je crois que là, il faut rétablir les policiers dans leur mmh. dignité, c'est-à-dire leur donner les moyens, les moyens de, faire, de faire leur travail, leur métier. Ouais. Voilà. C'est il faut avoir confiance en eux. Mmh. Et il faut leur donner les moyens de faire leur métier. C'est pas du tout ce qui se fait depuis des années, des années. Et alors, quand la gauche est en pouvoir, n'en parlons même pas. Ah bah là, ben, c'est. parlons même pas. Je veux dire, enfin, quand même, soyons mmh. sérieux. François Hollande a été au chevet de Théo. Bon, il n'a pas été au chevet des policiers qui ont été carbonisés dans la voiture. C'est incroyable. Symboliquement, cette image, c'est vraiment la complicité de l'État avec la racaille contre enfin, le Incroyable. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Et à supposer même qu'il y ait une bavure sur Théo, mmh. bah, c'est vraiment deux poids, deux mesures oui, oui. qui sont totalement. Euh... Tout ça se juge devant un tribunal. Le président n'a pas à interférer et à prendre le parti sans le savoir. Voilà. Et d'ailleurs, Aujourd'hui même, bon, cette émission sera en différé, mais la, la, la vidéo de, de l'interpellation de Théo a été diffusée. Voilà, ah, c'est récent, c'est ça vient de ah sortir. Ah d'accord, moi je ne sais pas, je bon, pas vu. On voit donc. très bien qu'en fait les policiers ont simplement fait leur travail et qu'il y avait une certaine agitation de l'autre côté. Mais bien bon. sûr, mais bien sûr. Enfin, il <laughs> bon, y a eu plusieurs versions qui sont sorties, moi. Oui oui. Je suis pas enquêteur, je oui, ne sais oui. pas. Mais enfin, je constate que les médias euh, se repaissent des moindres oui, doutes sûr. comme ça et montent en épingle. Écoute, euh, et donc après, on finit par plus avoir confiance en ce qu'ils disent. Olivier, voilà. les, les journalistes vivent dans un monde parallèle où les policiers attaquent des gens sans raison. Voilà. voilà. C'est-à-dire qu'on marche dans la rue et tout à un policier vient vous mettre une machette dans les fesses. Pendant la pause. Je te racontais, ouais. j'étais à Rome ouais. euh, l'autre jour, dans la ville de la fameuse mère d'extrême droite très méchante. Bon, oui. Effectivement, il y a des policiers partout. Tous les 200 mètres, il y a des policiers. Les oui. racailles, on en voit pas. Mmh. Et les rues sont bondées de monde. Bondées. Les rues sont bondées de gens. J'ai passé le dimanche après-midi, je n'ai pas vu une personne chelou. Excuse-moi l'expression. <laughs> ah, voilà, pour l'expression, de ne voit On a un public de jeunes. Voilà, on a un public de jeunes. Ben bah écoute, c'est comme ça. Ouais. Et ben bah, tout simplement parce que les policiers sont là, ils font rien. Hein, ils sont là, ils attendent, ils, ils observent. Voilà. Oui. Alors, je pense que quelqu'un même qui veut faire pickpocket va avoir du mal à se sortir d'un filet pareil, parce que vraiment, et ben bah, donc, on n'en voit pas. Ouais, et les gens sont tranquilles et, et dans la rue, l'atmosphère est agréable. Les gens qui veulent faire le spectacle de rue ou leur truc le font. Mm -hmm. Les policiers sont pas là pour ça. Oui. Voilà, c'est si on veut s'amuser ou parler fort ou chanter. ou Les policiers sont pas là pour ça. Ils sont là pour s'occuper euh, de la racaille ouais. et des gens qui vont venir soit voler, soit euh, semer des troubles. Eh ben, il, il, les rues sont bondées de monde parce que les gens sont en confiance, oui, tout simplement. Tout simplement. Les gens normaux. quoi ouais, Je suis toujours étonné des gens qui. Voilà, se plaignent lorsqu'il y a trop de policiers. Il n'y a que quand on a des choses à se reprocher, qu'on a peur des bah policiers. C'est ça, je hein, comprends. Pas. Non, c'est pas grave. Voilà, <laughs> exactement. Alors j'ai pour toi une question très <laughs> un, politiquement incorrecte. Tu as 47 ans, je crois, 48. Okay, euh... bah, en fait, aujourd'hui 49. Ah ben, bah, bon anniversaire. Aujourd'hui, même. <laughs> ouais. Bon anniversaire. Je suis content de te recevoir pour ouais. ton anniversaire. On va, on fêtera peut-être ça après l'émission. Voilà. Euh, tout au long de ta, ta vie, tu as, tu as vu le nombre d'immigrés euh, augmenter en France Oui. Quel, comment tu analyses ça Quelle a été l'implication sur ta vie euh, Par exemple, dans Paris, la vie dans Paris, est-ce qu'elle est, est, qu est pour toi aggravée par cette situation migratoire, etc. Mais, Et dans mais, quelle mesure Mais, mais c'est évident, mais euh, au-delà de l'augmentation du nombre d'immigrés, parce que oui. moi, je ne veux pas euh, jeter l'opprobre sur les gens comme ça. D'accord. C'est une autre question qui se pose. On fait venir des immigrés, Pourquoi faire hmm. Parce que là encore, beaucoup de gens. Euh, comme ton ami Hassan un soir, oui, euh, oui. m'ont dit, mais bon, euh, Giscard a fait le regroupement familial, et puis à l'époque, Pompidou faisait rentrer des immigrés. Oui, mais sauf qu'à l'époque, moi j'ai connu cette époque, il n'y avait pas de main-d'œuvre. Il mm -hmm. n'y avait pas assez de gens pour travailler, mm -hmm. parce que c'était le plein emploi. Ça répondait à une nécessité, à ce moment-là. Ah, complètement, puisque la France était appelée l'Eldorado de l'Europe. Mm -hmm. On l'a oublié, ça encore. Évidemment, c'était la phase euh, pré-socialisme. Euh, on a oublié tout ça. C'était appelé l'Eldorado de l'Europe il oui. n'y avait plus assez de bras pour travailler oui. voilà donc il fallait bien les faire venir de quelque part hein moi mon, mon grand père par exemple était agriculteur un autre de mes grands pères avait une entreprise de menuiserie et bien évident que pour faire certains travaux ben bon ben, comme il y avait une prospérité vraiment répandue partout mm -hmm. on faisait venir des immigrés qui venaient effectivement d'Afrique du Nord etc oui. bon. mais c'était une nécessité et cette immigration par le travail s'intégrait bien mm -hmm. Et oui, parce qu'elle était intégrée par le travail, souvent dans le cadre de petites entreprises, avec un côté paternaliste dont on se moquait bien entendu, mais qui fait que euh, l'immigré en question n'était pas perdu dans la nature, ne, ne, ne sentait pas son inutilité, et qu'il était intégré au contact oui. d'un encadrement qui était français. De patrons qui étaient français ou d'origine immigrée européenne, on va dire. Enfin, bon. Et, et donc, il avait, il, on lui faisait le marchepied pour qu'il s'intègre. Et d'ailleurs, ces générations-là se sont nettement mieux intégrées que oui. tout ce qui est venu derrière. Parce que depuis, il y a le chômage qui touche en particulier les catégories immigrées. C'est évident, puisque c'est les postes les moins qualifiés. Et malgré ça, on fait encore rentrer des gens. Oui, Mais pourquoi dire. faire rentrer des gens puisqu'on n'a pas de nécessité de travail. L'immigration aujourd'hui n'a plus de sens. Clairement. Elle n'a aucun sens. Oui, oui. Elle ne répond à aucune utilité. Et elle ne répond à aucune utilité ni pour le pays d'accueil, ni même pour la plupart des immigrés qui vont se retrouver clochardisés ici. Mmh. Partant de là, comme on a complètement laissé tomber euh, toutes nos, nos entreprises et notre, notre vocation à intégrer les gens autour de valeurs, oui. de valeurs nationales. Voilà. Ben, on va les intégrer à quoi on va les intégrer à quoi Puisqu'on parlait de l'école tout à l'heure. Quand les gamins apprennent à l'école que la France, elle est esclavagiste et colonisatrice, oui. ben, les enfants d'immigrés qui viennent de ces pays coloniaux, qu'est-ce qu'ils en déduisent ben, Ils en déduisent que s'ils en sont dans cette misère, c'est parce que c'est la France qui les a rendus comme ça. Un et que si maintenant la France les fait venir, c'est peut-être pour se faire pardonner parce que blabla, bla, mmh. etc. Et que finalement, ils ont des droits. Oui, oui, des oui. droits qui leur viennent comme ça. Voilà, on ne leur explique pas. Vous êtes en France, vous êtes dans un pays qui est quand même un pays riche. Vous avez des chances que vous n'avez pas chez vous. C'est un pays riche et un pays libre. Donc, saisissez votre chance. Oui. Faites le maximum. Personne ne leur dit ça. Oui. Et, et donc, on les intègre comment Ça sert à quoi de les faire venir À rien du tout. Mm -hmm. On ne crée que de la frustration, de la rancœur et de la haine. Et le résultat, nous l'avons mm -hmm. de plus en plus. Oui. oui, oui. Nous l'avons. Mais cette, cette assimilation qui ne, qui ne marche plus, est-ce que ce n'est pas simplement une question de quantité J'entends oui pas là le fait que. Tu vois, les, je sais que c'est des, des sujets qui fâchent, mais les courbes de Gauss du cuir, par exemple, elles existent. Que le niveau scolaire baisse, euh, on, peut, on peut quand même déduire que ça vient en partie de l'immigration. C'est-à-dire qu'on fait venir des populations qui, euh, en termes de civilisation, n'ont pas atteint le point que nous avons atteint nous. Mais ça, c'est clair, mais encore une fois, quand la quantité, comme tu le dis, mm -hmm. était moins importante. Et quand il y avait aussi un encadrement oui. avec un pays avec des valeurs, des vraies valeurs qui, qui, qui se diffusaient et qui, et qui touchaient ces populations immigrées, ben une grande partie arrivait quand même à s'intégrer. En gros, tu veux dire que ces gens-là ont été tirés par le, vers le haut par l'éducation, euh, par, au oui, moment par où, le système, par la, oui, tout à fait. Au moment de la première vague d'immigration, oui, euh, les Français mais... étaient toujours majoritaires et il y avait cette, cette qualité d'éducation. Je euh, pense, oui, euh, qui ouais, tirait ouais. vers le haut. Alors, bon, on va dire que peut-être. Euh, ces populations-là, malgré tout, ne pouvaient pas réussir aussi bien que les autres, je n'en sais rien. Mm -hmm. Le fait est que, dans un contexte positif, oui. un certain nombre pouvaient quand même tirer leur épingle du jeu et l'intégration se faisait. Et ces générations, même d'Algériens ou de Marocains et autres d'il y a 40 ans, oui. n'ont pas posé les mêmes problèmes que ce que nous voyons aujourd'hui. Oui, mais leurs enfants, oui, d'une certaine manière. Mais leurs enfants, oui, mais parce que leurs enfants euh, mm. sont arrivés dans une deuxième génération. Elles ont connu l'école socialiste de Mitterrand avec ses fameuses valeurs anti-française, je peux ouais, dire, ouais. Hein, où, on, où on leur explique tout ça, plus le chômage qui s'est développé mmh. à ce moment-là qui les a touchés en priorité. Ouais, Donc ouais. je pense que euh, la, la, euh, je dirais, le mélange de tout ça a créé une atmosphère explosive. Mmh, certes. Ouais. Explosive. Et alors en plus, il y a également, euh, je dirais, cette, euh, ce rassemblement de populations immigrées sur un même territoire. Oui. Qui crée des zones de non droit, enfin les territoires perdus de là. Oui, ville, cette sectorisation en fait de C'est-à-dire sectorisation mmh, mmh. en plus qui accentue le phénomène, mmh. qui accentue le phénomène. Mais c'est assez frappant d'ailleurs ce, ce que je te dis là. Oui, euh, je moi, j'ai vu une émission l'autre jour sur l'Atifah Imziatem Im qui dit exactement ça aux, aux, aux gens. Oui. C'est-à-dire qu'elle était l'autre jour dans une prison, enfin ils l'ont filmé. Bon, ben les, les, les gens lui disaient Oui, mais ton fils, c'est un militaire. Oui, tu, tu es contre les pays, euh, tes pays d'origine, etc. Et elle leur parlait Non, mes enfants, je les ai fait venir ici. Oui. C'est parce qu'ils sont dans un beau pays, un pays où on peut travailler. Mais il faut leur donner la chance aussi d'y avoir. C'est pas en s'opposant. Oui. C'est pas en, en crachant dessus. On a la chance d'être là, il faut en bénéficier, il faut en profiter. Et c'est quand même une dame qui essaye de remettre les pendules à l'heure et les idées dans le bon sens. Aux gens qui sont bien souvent perdus dans ces quartiers. Oui, voilà. oui, oui. Avec ses maigres moyens, elle essaie. Oui, oui. Voilà. En Alors, en... Je, je, sais que je ne suis pas sûr qu'elle soit très soutenue par l'État, bien entendu. Non, certes pas. Voilà. Alors, je sais que c'est fait, c'est fait, on ne peut pas revenir en arrière, mais toi, en tant qu'homme, est-ce que tu considères que euh, l'immigration extra-européenne fut une erreur politique C'est-à-dire qu'est-ce qu'il n'aurait pas fallu privilégier uniquement euh, des immigrés d'origine européenne dans mais, un mais, principe Oui, mais de... encore une fois, dans les années 70, euh, elle venait d'où cette immigration Les seuls Européens qui venaient. Mm -hmm. Parce que bon, il y avait l'Europe de l'Est. Là, c'était carrément, il y avait le rideau de fer, donc c'était euh, pas possible, en fait. Voilà, déjà, c'était pas ouais. possible. Les seuls Européens dont je peux te dire que j'ai vu de la vague d'immigration, je l'ai vu arriver, oui. c'était les Portugais. D'accord. Les seuls. Les autres ne venaient plus. Les Italiens venaient plus dans les mmh. années 70. Mmh, bien sûr. Et, et depuis un certain nombre d'années. Ça pays s'était un peu relevé. Euh, voilà. Ben, il voilà. y avait le miracle économique des années 60, etc. Les Italiens ne venaient plus. Oui. Les Espagnols ne venaient pas beaucoup. Enfin, très peu. C'était pas les oui. seuls qui venaient. C'était les Portugais. Et sincèrement, euh, je, je J'aime beaucoup le Portugal et les mm -hmm. Portugais, mais quand on les voyait arriver, eux aussi, faisaient l'effet vraiment d'un peuple très, très, très en deçà euh, des standards qu'on avait là. Moi, je me rappelle très bien de mes copains portugais à l'école. Bon, ben, euh, vraiment, on, on les aidait, on les prenait par les bras. Je ne vais pas raconter des anecdotes. D'accord. Je pourrais t'en citer parce que j'avais, euh, on avait une employée de maison qui était portugaise, qui se faisait taper par son mari, etc. Bon, c'était vraiment, euh, vraiment, on faisait, on, on les assistait, je peux dire pas bah, eux en particulier non, non, mais... Mais, mais de la même manière qu'on pouvait dire que les maghrébins euh, étaient vraiment euh, dans des normes sociales qui étaient 30 ans les portugais le sont et c'est d'ailleurs tout à leur mérite aujourd'hui euh, ce que la plupart sont devenus c'est à dire beaucoup de portugais sont devenus chefs d'entreprise etc mais donc au départ c'était vraiment des gens qui arrivaient d'accord okay. je ris parce que je me dis quand même beaucoup de jeunes de 20 ans échangeraient bien leur, leur enfance euh, contre la tienne où tu étais en envahi de portugais hostiles <laughs> <laughs> J'étais, pas du tout, mais j'ai pas du tout parlé de Portugais aussi. Ils étaient tous très gentils. En retard, en bataille, en Oui, honnêtement, oui. oui moi, je, moi, je le dis. Je ne vais pas peur 30, de Portugal. C'est un pays moi, pauvre. Moi, moi je, 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 je te répète encore une fois, j'aime beaucoup le Portugal, mais tu sais, ils sortaient de la Révolution des œillets. Non, mais il a aucun euh, problème. C'était une dictature pendant 30 ans. Euh, C'était vraiment une atmosphère. Euh... C'était autre chose, bien sûr. Ah oui, je, je peux te dire qu'on oui. les voyait arriver. C était, c était, ils, on ne pensait pas qu'ils étaient assimilables, entre guillemets. D'accord. Ils ouais. se sont je... rapidement assimilés. D'accord, ok. Parce qu'il y avait quand même la religion en commun, il y avait quand même beaucoup de choses en commun. Bah justement, ça et et l'envie de travailler. Ça me fait une transition avec la question suivante. Euh, quel est ton rapport à la religion Es-tu catholique euh, Oui, est je suis catholique, tu oui. Es Est-ce que politiquement, euh, tu penses qu'il faudrait réinjecter une dose de catholicisme Dans quelle mesure Mais moi, je, je pense, euh, encore une fois, moi, je suis euh, libéral. Donc libéral, ça veut dire que je suis pour que les gens euh, fassent ce qu'ils veulent. D'accord. Si vous n'êtes pas croyant, vous n'êtes pas croyant, on ne va pas vous faire croire de force. C'est bien évident. Hmm. Mais je pense aussi autre chose. Je pense que la France est basée sur plusieurs piliers, et pas que la France, beaucoup de pays occidentaux, hein, tous les pays occidentaux d'ailleurs, sont basés sur plusieurs piliers, dont le christianisme. Le oui. christianisme qui est une matrice extrêmement importante de la civilisation occidentale. J'ai fait récemment une conférence à Perpignan, dans laquelle j'ai parlé de, euh, du christianisme comme matrice de la civilisation occidentale et l'islam comme matrice de la civilisation musulmane avec des effets complètement différents oui. sur ce que ça a apporté. C'est-à-dire que le christianisme, à mon point de vue, mais au point de vue d'autres penseurs comme Philippe Nemo, qui a écrit un livre sur Qu'est-ce que l'Occident, est, est revenu très, très souvent là-dessus, le christianisme nous a apporté une éthique de la liberté et de la responsabilité. Mmh. Hein C'est-à-dire que le christianisme, c'est quand même Dieu qui s'est incarné dans l'homme. Donc l'homme, chaque homme a une valeur. Oui. Chaque homme a une valeur. Donc chaque homme a le droit à la parole. Chaque homme vaut quelque chose. On ne peut pas écraser les individus comme ça. Oui. C'est n'est pas parce qu'il est membre d'une communauté, c'est parce qu'il est lui. Et en tant que corps, il est réceptacle de, de, de Dieu. Hein, c'est ce, ce que dit le christianisme. Donc, il doit être protégé. On doit protéger sa personne, on ne doit pas le, le, le brutaliser, lui faire de mal, etc. C'est quand même un apport considérable. Mm -hmm. Considérable pour une civilisation. C'est ce qui nous a apporté la liberté. Et puis, comme chaque homme est réceptacle de Dieu, chaque homme a le devoir. Euh, de protéger l'autre a le devoir de de s'impliquer dans la vie des autres il ne vit pas individuellement mmh. donc c'est à la fois la liberté et c'est la responsabilité de chacun vis-à-vis -vis des autres mmh. et du reste de la société et je pense que c'est vraiment ça entre autres qui est également la culture grecque et latine enfin je, je, bien mais qui est à l'origine de nos démocraties qui a débouché sur ouais. les droits de l'homme sur nos démocraties c'est très clair le, le christianisme a conditionner no, no, nos esprits pour que nous en arrivions là. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir, hein, euh, la démocratie s'est développée en Occident, c'est les pays occidentaux qui l'ont adoptée mm -hmm. au bout d'un certain nombre de décennies. Euh, prenez par exemple les pays arabes, il n'y a pas un seul pays arabe démocratique, ce sont des pays musulmans. Je ne oui. vais pas revenir sur eux, mais bon, voilà. Euh, la, la religion confucéenne, en fait, euh, a aussi amené d'autres formes d'organisation. Euh, qui ne sont pas toujours démocratiques, loin de là. Donc, euh, oui. Parce que c'est un autre esprit, c'est une autre, une autre façon d'éduquer les gens, une autre façon de leur façonner l'esprit, qui n'amène pas spontanément, ou, ou même au bout d'un certain temps, à la démocratie. Le christianisme, oui. Je suis persuadé que c'est le christianisme qui a amené nos sociétés à ce qu'elles sont aujourd'hui. Et donc, si on perd le christianisme totalement, mm -hmm. on va perdre les fondements euh, politiques, sociaux et culturels de nos sociétés. Oui. Donc, ce que je dis simplement, ce n'est pas qu'il faille forcer les gens à croire, à les amener à l'église. C'est qu'on doit, dans assumer la société, cet déjà assumer cet héritage, en être fier, oui. bien montrer et, et, et même l'apprendre à l'école. En quoi le christianisme, qu'est-ce que c'est que l'histoire du christianisme, et en quoi il a agi sur notre civilisation, en quoi oui. il nous a apporté. Oui, oui. Même si, bien entendu, il y a eu des abus dans l'histoire. Bon, euh, il y avait évidemment des papes qui ont abusé, qui ont fait euh, vraiment des des, 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 des scientifiques. Jeux. Voilà, euh, mais bien sûr, à tous lieux, mal, bien oui. sûr, oui. bien entendu, oui, tout oui. ça. Mais, mais enfin, c'est un dévoiement si, si, si tu veux du, du christianisme. Mais je pense que tout ça, il faudrait l'apprendre dans les écoles. Il faudrait que l'État euh, remette le christianisme un petit peu au centre oui. euh, de notre vie culturelle. Et euh, participe plus qu'il ne le fait aux fêtes religieuses et, et, et remettre un petit peu tout ça au centre. Finalement, c'est du de... bon sens historiquement. Ah on oui, a été parce catholique que pendant mais 1500, mais, mais, 2000 ans. Mais, mais qui peut croire que la France serait aujourd'hui ce qu'elle est mm -hmm. si elle n'avait pas été catholique oui. Est-ce que si euh, elle avait été musulmane, par exemple, puisque mm -hmm. ça aurait pu l'être, oui. est-ce qu'elle serait ce qu'elle est aujourd'hui voilà c'est certain qu'il y aurait des différences majeures. Mais c'est amusant enfin, parce que... Voilà tu... la question qu'il faut se poser. Mais je parle musulmane parce que, bon, c'est un cap. Je peux parler d'autres choses, je pourrais parler d'autres religions. Non, mais ça me choque pas. Voilà. Mais justement, bon. j'avais posé cette question à un certain nombre d'intellectuels dissidents considère considèrent qu'un des remparts contre le mondialisme peut être l'islam. Quel est ta ta vision de cette... Euh... Mais c'est évident que l'islam est une réponse, oui. euh, je dirais, euh, une réponse, euh, pour moi c'était clair, le développement de l'islam radical euh, rencontre un certain succès dans le monde musulman, oui. parce que dans l'esprit des musulmans, de, de ces gens-là en tout cas, pas, pas tous les musulmans bien sûr, c'est euh, probablement lié à une, une réplique au mondialisme. Au mondialisme triomphant, enfin ce qu'ils voient comme du mondialisme triomphant. Et eux voient le mondialisme triomphant comme une aspiration d'inspiration occidentale. Oui. Ils voient comme justement un développement de, de l'esprit occidental sur toute la planète qui voudrait s'imposer et qui voudrait recréer une autre forme de colonisation très probablement. Bon. Or, nous-mêmes les Occidentaux, nous subissons la mondialisation. Je pense même qu'on est les premiers à la subir. Mmh. Voilà. Donc que cette mondialisation soit d'inspiration occidentale, oui. Mais en tout cas, c'est pas l'Occident qu'elle profite et c'est pas pour l'Occident qu'elle est faite. D'accord. Voilà. C'est très clair. Euh, ceci dit, c'est bien évident que c'est une réplique à la mondialisation. Oui. oui Mais... Comme pourrait l'être le nationalisme dans d'autres pays. Alors, la seule différence. C'est que, bien entendu, elle s'exprime d'une manière qui est euh, oui. particulièrement non, barbare. Et qui... On est d'accord que toi, tu ne prônes pas l'islam en France. Le, le, le fait que. Mais je pense que c'est un rempart à la mondialisation. Ce oui. n'est pas du tout ce que je prône. Mm -hmm. Je ne prône pas du tout l'islam en France. Enfin, mm -hmm. Je veux dire, bien au contraire, ah non, mais même. Je simplement les... mais je veux Beaucoup dire que tu découvres aujourd'hui. C'est donc... un fait que l'islamisme radical, oui. euh, je pense, rencontre un certain succès chez les musulmans mm -hmm. parce que c'est vu comme. Je comprends. Quelque chose qui est euh, anti-mondialisation. Et d'ailleurs, mon éditeur m'avait même demandé de faire un chapitre là-dessus, oui. que je n'ai pas fait. D'accord, voilà. pourquoi ne tu pas fait, question de curiosité Parce que je pense que ce n'est pas, pas ma partie, je ne me vois pas parler de ça, mais euh, c'est bien évident que l'islamisme isla, radical... Tu as peur des, des musulmans radicaux, c'est ça Non, pas du tout. Pas, ah, je pas te taquine, Olivier, je non, te taquine. On peut bien parler des choses, et puis je, je, je veux dire, je, je c est, c est, non, je ne me sentais pas de faire une partie de D'accord, ouais. enfin, bon. il y a tout de même quelque chose de paradoxal chez, chez ces, euh, ces maghrébins ou ces arabes musulmans, c'est que à la fois ils haïssent l'Occident, et en même temps ils font tout pour le rejoindre c'est ah bah euh... ça le problème mais ouais. c est, c est, dans cette recherche de confort de... oui c'est très ambivalent en fait hein. et je crois ouais. d'ailleurs que c'est justement ça que les vrais radicaux euh, les plus durs et enfin les chefs de tout ça combattent c'est-à-dire qu'ils combattent à mon avis l'attrait que l'Occident oui. a chez leurs jeunes mmh. malgré tout oui. ils combattent ça et ils veulent le combattre avec ces idées-là mmh. il faut savoir que par exemple au Qatar la chaîne Al Jazeera oui. a mis en place une émission de télé-réalité oui. avec des jeunes voilà, sauf que chez nous, bon, on nous montre des jeunes euh, bon, très vulgaires, enfin, ce que tu mmh. veux, avec vraiment euh, l'oisiveté, euh, bon, mmh. bref. Et euh, chez eux, pas du tout. Alors, on nous montre des jeunes euh, qui font leur 5 pas jour, mais qui font quand même leurs études, qui essayent d'être dans le monde contemporain, mais tout en gardant la tradition. C'est oui. un peu l'image qu'on veut diffuser à travers ces émissions de télé-réalité. Euh, donc, ça veut bien dire qu'on veut avoir un contre-modèle. D'accord. On, on veut créer un contre-modèle islamiste au modèle de la mondialisation vu comme occidentale. D'accord, à mon point de vue. Mmh. Alors, je voudrais t'apporter la contradiction sur sur un point quand même assez ah, important. Tu as écrit deux livres qui ont un titre similaire, mais dont le contenu ne l'est pas. Mais je, je tiens quand même à le préciser. Il y a le Crépuscule de l'Occident. Oui. Et il y a euh, Vers la, la chute de l'Empire occidental. C'est pas euh, le même titre. Non, bien sûr, bien sûr non, non, mais je veux dire, ça évoque des choses qui, oui, en tout cas, dans, dans, dans l'esprit, oui. résonnent. Euh, C est, c est, de toute façon ma, ma critique n'était pas là simplement je voulais te dire que je suis d'accord que sur certains points comme les mœurs euh, il y a une, une décadence il y a un moins bien, il y a quelque chose qui, ne, qui semble ne pas aller euh, on en a parlé un peu à partie, moi je suis un fan de cinéma, je suis un cinéphile, je considère qu'il y a moins de films, beaucoup moins même euh, d'excellence produit aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans Bien sûr. mais je ne suis pas d'accord sur le fait que la décadence est généralisée et je veux te dire je vais te donner un contre exemple qui est, est celui-là qui est que le monde entier veut rejoindre l'Occident, Olivier. Le monde entier veut habiter en France, aux États-Unis, mmh. au Canada, etc. Oui. Et c'est pour des raisons objectives. Ce n'est pas parce qu'il y a un rêve. C'est parce que la vie ici est agréable, Olivier. Tu vois Ah Et mais ça, euh, je n'en dis disons, vient pas du tout. Oui. Mais me dis maintenant le monde entier veut venir en Occident. Oui, et il y a 30 ans il n'y avait pas des différences de, de également. L'Occident n'était pas à ce point. Euh, si, si, euh, plus, et alors pourquoi c'est aujourd'hui qu'il y a ces, ces, non, ces mouvements je... migratoires aussi euh, non, mais de, 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 de tels employeurs Je n'ai peut-être pas bien formulé ma question aujourd'hui. Les politiques et l'état laissent les immigrés entrer, ce qui n'était pas le cas il y a des années. Ça, ok, mais le désir est constant de rejoindre l'Occident. C'est donc bien que cette chute n'est peut-être pas aussi violente que ce que tu imagines, tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'il n'y a pas une, une complaisance un peu dans cette idée qu'il y a une chute de l'Occident Est-ce qu'on ne dit pas c'est en décadence, etc. alors que c'est une posture finalement Mais on je vais est te toujours prendre, au top. Je, mais oui, mais écoute, je vais te prendre le cas de l'Empire romain. Hein. L'Empire oui. romain au IVe siècle, il euh, n'y a jamais eu autant de gens qui venaient de barbares qui venaient euh, s'installer oui. dans l'Empire romain que vers la fin de l'Empire romain. Mais qu'est-ce que ça signifie C'est qu'en fait c'est du simulacre, En fait, on croit que tout va bien alors que tout va mal, c'est ça même, même les gens de l'extérieur, tu vois ah ben les gens de l'extérieur sont enfin excuse-moi mais tu vas faire venir un, un, un quelqu'un qui habite dans une, une ville d'Afrique et oui. tu les fais venir à Paris oui. euh, parce qu'on a beau être décadent la Tour Eiffel elle est encore là n'est-ce pas les Champs Élysées sont encore là et bon, oui. pas... on aura beau être décadent même écrasé tout ce que tu veux il y aura toujours ça oui. ça va rester normalement bon mmh. donc il y a une illusion occidentale et beaucoup de gens d'ailleurs mmh. qui viennent du tiers monde et qui s'installent ici oui. et j'en connais très vite prennent la mesure du, de, de la chimère et du mirage qui était le leur. Et oui, j'ai Mais... même vu des émissions, alors je ne vais même pas parler des cas que je connais, il y a eu récemment une émission euh, sur France Télévisions, je crois, oui. où on nous montrait le périple d'une famille kurde. Mais quand on dit une famille kurde, une famille qui habitait dans un Kurdistan en paix, qui était loin des zones de guerre. Oui. Euh, une famille où le père avait une société qui produisait de la volaille et les enfants travaillaient là-dedans mmh. donc le fils il, a, il, il gagnait bien sa vie ils habitaient une très grande maison très belle oui. c'est ce qu'on voyait bon c'est comme ça qu'on nous a montré puis après ils sont montés sur le radeau ils ont été filmés sur le radeau avec les gosses donc une famille aisée qui se retrouve sur un radeau avec des gosses et qui atterrit en Allemagne d'accord Arrivé en Allemagne qu'est-ce qu'ils font je ne sais pas je ben, rien oui. On traîne, on est là, bon, ben les aides, les silles, les là. D'accord. Il faut se reformer parce que le travail n'est pas le même, donc il faut refaire toute une formation. Euh, il faut revoir. Mais... Donc pour des gens qui sont vraiment dans la misère, hmm. peut-être. Hmm. Mais imaginez-vous, là, on parlait d'une famille pratiquement aisée du Kurdistan. Hmm. Voilà. Et au bout d'un moment, ils sont repartis. D'accord, oui. Bon. Et justement, c'est. C'est un mirage. Il y a un mirage. Il y a une forme de mirage. Ouais. Il y a une forme de mirage. Ne confondons pas, nous on est des très vieux pays qui sont riches depuis longtemps, avec beaucoup de familles qui ont accumulé une certaine rente. Oui. Euh, bon, il y a quand même... Euh, voilà. Mais, mais si tu veux, aujourd'hui, l'Occident est moins prospère qu'il était il y a 30 ans, c'est très clair. Et par contre, le tiers monde est plus prospère. Je Et c'est ce pourtant que maintenant que les gens viennent le rejoindre. Oui, bah justement. Est-ce qu'il n'y aurait pas une remigration spontanée si la vie en Occident était si terrible Tu vois Parfois j'ai l'impression qu'on exagère ce, ce, ce sentiment de décadence. Le refus de la réimmigration oui. n'est pas toujours lié euh, au fait qu'on s'y trouve bien. Ah bon Oui. Là je peux te dire, je ah, peux t'amener ah, bah, dix témoignages. Une fois que les gens sont là, mmh. il y a un grand mirage de l'immigration. Une fois que les gens sont là, s'ils reviennent chez eux. Oui. C'est une honte, c'est ah, ah oui, c'est une avanie. C'est une question de psychologie en fait, c'est complètement, hein, complètement. Oui. Parce qu'il faut bien voir, par exemple, qu'il y a beaucoup de familles ou de gens euh, qui ont émigré donc qui sont venus en France ou en Allemagne ou bon peu importe et euh, qui gagnent modestement leur vie, mais oui. qui économisent quand même. Oui. Et arriver de retour à leur pays pour les vacances, par exemple, il oui. est bien évident qu'avec le pouvoir d'achat de l'euro par rapport au franc CFA ou je ne sais quelle autre monnaie, oui. ils font l'illusion pendant les 15 jours où ils sont là-bas. Vous voyez, ils arrivent comme des Américains entre guillemets. Vous tu comprends ce que je veux te je dire Je comprends, bien sûr. Et, et donc, dans l'imaginaire des gens, c'est quelqu'un qui a réussi. Ah bah tiens, notre cousin, il a réussi. Tu as vu, il est bien et tout. Mmh. Et donc, d'autres vont être tentés de le faire également. D'accord. Pour être comme le cousin. D'accord. Mais le cousin ici, il souffre toute l'année. Hein. Il endure. Hein. Oui. Même euh, même s'il gagne un peu, s'il a la chance d'avoir un salaire et tout, il endure quand même. D'accord. Hein. Voilà. Mais tout ça est masqué. Oui. Et après, ça attire d'autres personnes pour venir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans une phase où euh, il n'y a jamais eu autant effectivement d'envie de migrer, oui. alors que les pays du tiers monde se développent et que par contre les pays occidentaux sont en difficulté. Oui, je comprends. Mais euh, l'immigration attire l'immigration et ça, ça crée vraiment une, une espèce de, de carrousel euh, fou, un peu. Oui, hein. oui, comme une spirale qui vient vers là. Mmh. Et euh, moi, je, je connais beaucoup de gens qui vont te dire qu'à peine ils sont arrivés là, bon, ils ont compris que ça n'allait pas être la vie que ouais. qu'ils espéraient. Ils ont compris, ils ont compris, mais ils ne peuvent pas reculer. Ils ne peuvent pas reculer parce que sinon, au niveau de leur famille et tout, le regard va être celui de, de celui qui a échoué, qui n'y arrive pas. Et, mm -hmm. et il ne faut pas oublier quand même que tous ces pays sont des pays qui sont beaucoup plus communautaires que les nôtres. Mm -hmm. Oui, donc le, le regard Ou des autres a de l'importance de la famille, de, sûr, de, du groupe d'amis. Bien sûr. Toi, tu vas partir aux États-Unis, ça ne marche pas, tu vas revenir. Mm -hmm. Mais un Africain, ce n'est pas comme ça. D'accord, c'est ouais. ouais, un point de vue intéressant. Ah oui, 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 un Africain, il va venir en France, mm -hmm. il faut qu'il arrive à quelque chose. D'accord. Il ne peut plus rentrer chez lui, c'est terminé. Mm -hmm. D'accord. Les pouvoirs publics ne savent pas, ils ne raisonnent pas comme ça, bien entendu. Ben oui, oui, oui. oui. Mais, mais la réalité, elle est là. Mais oui, parce que souvent, j'ai remarqué que. Tu sais, je, je, je lis les commentaires sous tes vidéos, etc. Beaucoup de gens te traitent de décliniste, qui est amusant parce que tu acceptes de l'être. Ah, <laughs> c'est en fait, pas, pas comme bien si, bien si euh, <laughs> tu. disais non, mais non, mais, <laughs> non, mais je l'accepte. Je fais ça avec humour. Oui, <laughs> parce que oui. Les gens vont dire, mais finalement, euh, Piacentini, c'est comme s'il aime en fait que ça aille mal. En fait, il oui, se là-dedans. On a bien compris. Il y a faire un diagnostic. Voilà, je suis déprimologue, en fait. Voilà, c'est ça. Je voudrais qu'ils en déprimés. Non, moi, je fais juste un diagnostic. Moi, vraiment, j'aimerais bien que je retrouve l'Occident. Euh, où, où, où les choses vont bien, où le travail paye. Moi, c'est déjà quelque chose que j'aimerais voir. D'accord. Ouais. Ah, des ouais. pays où le, les gens travaillent, ils se retroussent les manches, ils travaillent à l'école, ils trouvent un travail derrière et le travail paye. Ouais. Et ben, bah, c'est ce qu'on voudrait apprendre à nos enfants. Moi, c'est ce que j'apprends au miens. Mais le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe mmh. et que des fois, c'est même le contraire. Voilà. Et que mmh. on voit justement à travers, par exemple, la télé-réalité des tas de gens ont fait la promotion de gens qui sont totalement insignifiants. Je vais pas citer Nabila, etc. Bon, les, les plus connus. Mm -hmm. On nous fait la promotion de ça. Mais qu'est-ce oui. que tu veux mettre après dans la tête des gens? Comment tu vas le dire? Ouvre le livre. Lis Victor Hugo quand tu as Nabila qui se pavane avec ses millions à la télé. Oui. C'est pas ses millions. Je m'en fiche de ses millions. Tant mieux s'il y de l'argent. Mais je veux dire que, on se retrouve. Avec des modèles qui sont imposés dans la tête des gosses, qui sont des anti-modèles en fait. Je comprends. Ouais. Voilà, mm. qui, qui en fait servent à abêtir la population et à poursuivre encore un peu plus la décadence de nos pays. Mm. Ben, C'est tout. Moi, j'aimerais que nos pays euh, retrouvent le goût et admirent des écrivains, euh, des, des, des grands scientifiques, euh, des grands hommes politiques, des grands chefs de guerre, tout ce que tu veux, mais pas, pas, des, pas, des, pas des gens comme ça. Voilà. Mais malheureusement, notre société aujourd'hui euh, oriente les enfants sur euh, ce qui va les amener à l'échec et, et, et au déclin de notre société en général oui c'est comme ça que je le vois mmh. mais je ne m'y complais pas hein. non non mais j'ai bien compris cette affirmation d'ailleurs je vais te dire euh, ça se voit tu n'es pas quelqu'un de sombre tu es quelqu'un ben de positif, énergique, tu parles vite, tu as beaucoup de ben choses ben à dire. Voilà, ai, j'aime bien sortir, oui, j'aime bien aller au restaurant. Tu as l'air d'être un bon vivant. Et ah pas, oui, 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 oui. Non, non, on a, moi, je fais établi la distinction. Mais parfois, on prend les diagnostics ben, pour tout, des mais prescriptions. Que, mais tous ceux qui me connaissent savent mm. bien que je, je suis le contraire de la personne triste. Tu entends bien, mais, mais le contraire. Mmh. voilà. Moi, j'aime être à la terrasse des restaurants, euh, euh, le soir sortir, écouter de la musique, des choses comme ça. Un ça vrai français. Fais... Voilà. <laughs> oui. En quelque sorte. Oui, oui. Un, euh... un peu parmesan sur les bords. Oui. coluche. Hein. Bien sûr. Voilà. Peut-être que les Corses ne vont pas apprécier, parce que des fois, les Corses ne oui, oui. se sentent vraiment pas français. Alors ah, attention, wow. attention à ce qu'on dit. <laughs> Est-ce que tu. Cette réussite de l'Occident à travers l'histoire. Alors là, c'est un peu... presque une question de philosophie, hein, attention. Mais tu la mets sur le dos de quoi Est-ce que tu penses que le. Le substrat ethnique européen est à l'origine de ça Est-ce que c'est des raisons historiques Est-ce que c'est du hasard est -ce que tu... Comment tu le vois, toi Moi, je reprends le livre de Philippe Nemo, mmh. qui est un livre formidable, qui s'appelle Qu'est-ce que l'Occident Oui. Et dans ce livre, il explique qu'en fait, l'Occident s'est développé par cinq étapes. Mmh. Première étape, euh, la culture grecque, oui. qui est à la fois une culture du savoir en profondeur, oui. c'est-à-dire. Thalès, par exemple, qui est un grand euh, penseur, un grand mathématicien, <coughs> il disait il faut trouver le logos. Le logos, c'est les grandes lois qui sont en, en dessous de l'écume, mm -hmm. de la surface de ce qu'on voit. Oui. Et ça, les autres civilisations n'ont jamais développé cette recherche de la connaissance comme ça. Mm. C'est toujours plus technique, plus euh, oui. en surface. <coughs> Excuse-moi. Il n'y a pas de souci, je comprends. Ensuite, il y a le droit romain. Oui. Le droit romain qui donne des droits à tout le monde. Et qui donc euh, donne de la force à l'individu. Ensuite, il y a le christianisme. Oui. Dont on a déjà parlé. Mmh. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mmh. Et pour finir, il y a une deuxième étape du christianisme qui est la réforme grégorienne. Oui. Parce que le christianisme avait tombé, était tombé un peu, sous avec saint Augustin, dans une forme un peu de, de magie, avec un dieu vengeur et, et les hommes qui doivent faire un peu des rites pour euh, obtenir ses faveurs. Avec la réforme du pape Grégoire au XIe siècle, euh, il est dit qu'on peut racheter ses péchés, que Dieu nous regarde, que Dieu nous observe, que Dieu nous suit, qu'il va pardonner nos péchés dans la mesure où on fait des choses bien à côté qui vont permettre de racheter nos fautes. Mmh. Donc ça a orienté l'ensemble de la population pour faire le bien, en quelque mmh. sorte. Voilà. Et c'est à partir d'ailleurs du XIe siècle, en Italie, par exemple, on a eu une première forme de renaissance oui. par rapport à un Moyen-Âge antérieure qui était quand même euh, une régression, mmh. on va dire. Et il y a eu une première Renaissance au XIe siècle, qui après s'est diffusée avec la période gothique et qui a abouti ensuite à la Renaissance italienne. Oui. Et puis la quatrième phase de notre histoire, c'est évidemment les révolutions libérales en France, aux États-Unis, en Angleterre, oui. et le développement de l'économie industrielle. Et ce sont ces quatre phases-là qui sont, chacune l'une après l'autre, les, les étapes, les grandes étapes de l'évolution du monde occidental que les autres civilisations n'ont pas connu pour X raisons mm -hmm. pour X raisons parce que je, je voudrais je vous en arriver par exemple tous à mon coup je suis prêt ouais, ouais, parce que bon, ouais, ouais. c'est un peu le climat il hein, n'y a pas de euh... souci je couperais tous à mon coup s'il faut <laughs> si on parle d'une un, civilisation comme la civilisation africaine oui de l'Afrique noire Bon, j'entends que des gens qui vont vous dire que bon l'Afrique noire c'est aussi par rapport à la population telle qu'elle est etc. Oui. Je crois qu'il y a aussi euh, véritablement une autre une, et surtout une, une autre raison c'est l'isolement de l'Afrique. Mm -hmm. L'Afrique coupée des grandes aires de civilisation par le Sahara, beaucoup moins de contacts, en tout cas beaucoup plus tardif avec les autres civilisations. Et puis deux autres phénomènes enfin qui sont liés une végétation et un relief qui euh, isole même les, les chaque pays de l'autre ou même chaque tribu de l'autre parce qu'il y a vraiment une végétation qui est terrible enfin mm -hmm. qui fait que c'est très très difficile de de euh, de voyager d'un endroit à l'autre donc d'avoir des communications des échanges donc des apports extérieurs oui. et puis alors je vais dire aussi autre chose un truc qui va vous paraître curieux euh, comme tout pousse et tout pousse très vite mm -hmm. bon mais ben, normalement on, on meurt pas de faim quoi on mange il n'y a pas besoin de développer une agriculture euh, si euh, mécanisée, si euh, améliorée, parce que de toute façon, on, on fait comme ça. Il y a Ce que tu veux dire, c'est que le contexte géoclimatique explique le En fait partie, que... oui, le sous-développement de l'Afrique, oui, pour moi. Oui. En grande partie même, je dirais. Pour toi, ce n'est pas du tout lié à, à une incapacité intellectuelle de groupe, de masse Non, euh... je ne pense pas. Sincèrement, je pense pas. Moi, je, je connais très bien l'Afrique. J'ai vu des enfants tellement, euh, tellement en avance, mais, mais carrément. Hein, ah, oui ah, ben j'en ai un en face de chez moi, euh, puisque j'ai une maison là-bas. Euh, qui a sauté trois classes et qui est véritablement un, un, quasiment un petit génie. Et, et alors, alors, alors qu'il vit dans une maison, il n'y a même pas l'électricité, il n'y a même pas l'eau. D'accord. Et je vais te citer ce cas-là. Hmm. Donc, alors, il y, y a une. Au niveau de civilisation, il y a un retard, mais qui pour toi est lié à des facteurs. Alors, il y a des facteurs climatiques, il y a aussi le facteur religieux, parce qu'il y a quand même aussi l'animisme, bon, qui est une religion un peu spéciale, hein. Oui. Avec, bon, de la réincarnation dans les éléments de la nature, ce qui fait que c'est, si tu veux, c'est une civilisation où on a l'impression que les gens, euh, c'est la mobilisation des forces, des esprits et de la nature qui va expliquer ouais. le succès des uns ou des autres. Donc, c'est ouais. le, 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 tout un système qui est assez spécial, hein, qu'il faut, qu faut vraiment connaître. Hein, et qui... Je t'interromps, mais j'avais pas imaginé cette question, mais maintenant, elle me vient en tête. Le fait que tu connaisses bien l'Afrique, est-ce que tu as vu une différence entre les pays d'Afrique où le catholicisme s'est euh, propagé ah, bah et ça. les autres? Est... Alors là, ça m'intéresse justement de savoir. <laughs> tu tu, tu vas, tu vas me facteur... demander ça, on va croire que. Mais c'est un facteur mais, civilisationnel. Tu... Mais bien entendu, ouais, mais ouais. moi je connais un pays qui s'appelle le Bénin, hein, oui. qui est le pays dont ma femme est originaire, justement, que De Gaulle ouais, ouais. appelait euh, le quartier latin de l'Afrique. Okay. C'est De Gaulle qui appelait le Bénin le quartier latin de l'Afrique. Et ce pays est en grande majorité chrétien. Il mm -hmm. euh, y a un autre pays à côté qui est un peu du même, euh, du même ressort ethnique, géographique, etc., qui est le Togo, qui est un petit peu du même acabit le, le, le Bénin est un pays qui est totalement démocratique. Ça, ça va vous paraître surprenant. Oui. Mais euh, au Bénin, tu arrives, tu, tu as là euh, les marchands de journaux, tu as 25 journaux, avec les notes, tel ministre qui est noté, toi tu as 2, toi tu as 4 sur 20, etc. Bon, avec des polémiques, tu oui. peux finir comme ils, peuvent, comme ils aiment faire ça, oui. si tu veux. Mais déjà, il y a... Euh, un État qui est démocratique et depuis quand même maintenant assez longtemps. Mmh. Il n'y a plus de coups d'État depuis 45 ans. Euh, bon, euh, évidemment, c'est un pays pauvre. Hein, à l'échelle en... de l'Afrique, ça se passe bien. En gros. Les gens appellent ça la Suisse de l'Afrique. Voilà. Et, et c'est en grande majorité chrétien. Voilà. Okay. Bon, alors maintenant, encore une fois, ça reste pauvre par rapport à l'Occident. Mais mmh. euh, c'est une histoire qui, qui démarre beaucoup plus tard, encore une fois, parce que mmh. c'est des pays qui sont, encore une fois, très, très isolés jusqu'au XVIIIe siècle. Oui. Mais Il n'y a pas de contact avec, avec rien, quoi. Mais on est d'accord que c'est l'apport occidental de la culture chrétienne qui a complètement. Oui, d'accord. Mais les gens sont très de très fervents chrétiens là-bas. D'accord. Parce que justement, euh, nous, on a oublié ce que le christianisme nous a apporté. Oui, oui. C'est pour ça qu'on l'est moins. Et du coup, mais, que... mais eux, mais eux le savent bien. Et... Eux, ils ont toujours de la sorcellerie et des choses comme ça. Ils savent bien que le rempart à ça, oui. euh, c'est le christianisme. Donc ils le vivent au quotidien. Donc euh... quelle est leur position par rapport aux occidentaux Du coup, est-ce que dans ces pays, il y a moins de haine J'ai jamais vu de haine occidentale au Bénin. Moi, je vais partout. Je... Les gens m'appellent. Euh, alors, euh, qui veut m'amener là Qui veut m'amener ici euh, Je ne peux pas te dire. Les gens qui connaissent ce pays... Alors, effectivement, il y a des pays où les gens sont plus agressifs. Ouais, ouais. C'est évident. Mais je te parle de ce pays-là, euh, je n'ai jamais rencontré la moindre agressivité nulle part. Et même quand je me balade tout seul, parce que je me balade tout seul toute la journée. Ma femme ne vient pas avec moi. Moi, je, mmh. moi, je vais découvrir des endroits. Euh, je, je vais tout seul et je ne peux pas te dire une seule fois mmh. que j'ai eu un problème avec quelqu'un. D'accord, ben, c'est ton expérience et euh, ah ben, j'ai aucune raison de ne pas te non, croire. c'est la réalité. faut de, quand même de, comprendre. De, la... de même d'ailleurs, quand je parcourais le Mexique ou, euh, ah ouais, ou la oui. Bolivie ou tout. Je... L'Afrique est un continent immense et tu me dis qu'il y a des pays où ça se passe bien. il ben, y, y, y a des pays très, très différents. Mm. Mais ma femme dit toujours, c'est comme si vous dites l'Albanie et la France, c'est pareil. Est... Mm. Et vous dites donc le Bénin est, par exemple, je ne sais pas moi le. Pareil que l'Éthiopie voilà, mais... il y a des très grandes différences. Mm. Alors moi je vais dire un truc Olivier, ce que j'apprécie chez toi, c'est c'est ta sincérité, ta bonhomie. Ah, je et, non, non, mais je, tu vois où je veux en venir, c'est que, en fait, j'ai en lisant la quatrième de couvre d'un de tes livres, justement, tu, tu parles de ta femme béninoise, c'est peut-être pas qu a toi qui as décidé d'en parler, mais il se trouve que c'est mentionné. Et dans un milieu de droite où le, où le métissage intercontinental est assez mal vu, j'ai oh, trouvé oh, ça beau que oh, tu... Non, mais oui. C est, c est, oui. Honnêtement, mais moi, tu, tu le dis marié en 2002 à une princesse béninoise, oui, mais oui, mais... il voyage à travers l'Afrique et prend oh, conscience oh, que je jeunesse etc. Que répondrais-tu aux gens qui te disent que euh, dans une part du déclin occidental, il y a aussi ce métissage qui est voulu quand même par l'oligarchie Oui, mais enfin, moi, je ne l'ai pas fait pour l'oligarchie. Tu vois ce que je veux te dire Moi, j'ai rencontré ma femme et Explique donc voilà, je n'ai pas demandé oui, oui. à l'oligarchie est-ce que, est que je peux me marier avec ma femme ou pas Tu vois, j'ai rencontré ma comprends. femme je et je suis marié avec ma femme. C'est ta vie, bien sûr, bah, tu n'as voilà, pas. Exactement, oui. c'est pas l'oligarchie qui m'a dit de faire comme ça. Oui, oui, oui. Alors, il se trouve qu'après, c'est vrai. Quinze ans après, on se dit, mais c'est vrai qu'il y a une promotion de ça. Est-ce que des gens ne t'ont pas sorte. dit, est-ce que c'est contradictoire avec ton combat, etc. Non, moi je ne vois pas du tout ça contradictoire avec mon, mon combat. Je vais te dire quelque chose. Il y a un oui. jeune journaliste qui s'appelle, je crois, Canlorbe, qui a interviewé récemment euh, Vaclav Klaus. D'accord. Euh, qui qui a, il a interviewé pas mal de personnalités, euh, c'est un journaliste indépendant. Et entre autres, il a interviewé Vaclav Klaus. Et Vaclav Klaus, ancien président de la Tchécoslovaquie, oui. enfin, de la, pardon, de la République tchèque. Vaclav Kloff lui a dit, euh, l'immigration, quand c'est une personne qui voit son destin comme ça mm -hmm. et qui choisit, c'est une chose. Quand c'est une massification de la chose avec euh, tout un ensemble où on a presque l'impression que c'est organisé, mm -hmm. c'est tout à fait autre chose. Mm -hmm. euh, moi, ma femme, tu ne peux pas critiquer la France avec ma femme, elle bondit. D'accord. Mais quand je te dis ça, d'autres personnes que tu as déjà interviewées l'ont vu. Mmh. Euh, C'est-à-dire que vraiment, ma, ma femme. Ah, je ne doute je pas, dis, pas. Je vais t'appeler Miss France, c'est ce que je lui dis. Ou voilà, c'est vraiment hyper nationaliste. Le moindre truc, dès qu'on mmh. commence à critiquer, à dire là, ça va pas. C'est pas la première à monter au créneau. Mmh. Donc il y a des gens qui viennent vraiment parce qu'ils aiment la France, mmh. parce qu'ils connaissent la France. Effectivement, c'est peut-être des gens d'un autre niveau ça, la, ouais. que, la, que, que ce qu'on fait venir habituellement. Oui. Mais il y a des gens qui de, de leur pays lointain. Voient la France, et ils disent que la France, vraiment, c'est un beau pays, mmh. c'est un pays où il y a une culture qui leur plaît, il y a un état d'esprit qui leur plaît, et ils ne veulent plus vivre comme ils vivent eux. Mmh. Moi, ma femme n'avait pas de problème économique en Afrique. Ma femme a fait <laughs> une société de location de voitures, son père était vétérinaire, elle, elle est même, bon, de sang royal, donc elle est vraiment. Mais oui, connue, parce que tu me dis etc. princesse, moi, tu oui, Mais, mais c'est la vérité, mais mon, 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 mon beau-père descendait d'un roi du XVIIIe siècle, qui s'appelait Agadja, dont le, le, le symbole était un. Un bateau, un vaisseau, enfin une. Et, et donc ma femme n'avait aucun problème économique. Il y, y a rien qui l'a poussait à venir en France. Hein. Oui, oui, je si comprends. Ce n'est Je ne peux pas te dire qu'elle n'aimait pas chez elle. Elle, elle s'ennuyait chez elle. Donc, je je comprends. Ça ne lui convenait plus. Tout pays comprend une voilà. élite. Il n'y a et, pas de souci. Voilà. Et euh, là-bas, elle rencontrait beaucoup euh, de Français. Mmh. D'ailleurs, chose incroyable, le monde est petit. Elle a connu une personne de Corse que je connaissais. Mmh. Mais tout à fait euh, par hasard. Hein, oui, euh, oui. Et, et c'est après qu'on s'est confronté, mais tu connais telle personne, mmh. moi aussi, le monde est petit. Et elle allait beaucoup avec les Français, elle aimait beaucoup discuter avec les Français, parler avec les Français, etc. Et elle est venue ici en France parce que la France, c'est ça qui lui plaisait. Mmh. voilà Et sa sœur, elle, est venue en Italie. Oui. Parce que sa sœur avait plutôt un penchant pour l'Italie. Mmh. Voilà. Et de l'Italie. Alors après, elle est repartie au Qatar parce qu'en fait, elle est ingénieure dans les pétroles. Elle s'est retrouvée embauchée par une société italienne au Qatar. Mais ce sont des personnes qui n'avaient pas de problème économique et, et qui n'avaient pas non plus cette espèce de rêve. Je de, qui connaissaient si, déjà je... les pays, qui étaient déjà venus en France. Et je... ma femme était déjà venue en France. Tu n'as pas à te justifier auprès de moi. Tu es un homme intelligent. Je doute non. bien que tu n'es pas avec une femme idiote. C'est évident. C'est une évidence. Moi, je te demande. Non, mais, mais quand moment... je te dis ça, c'est pas oui. une justification parce que oui. je fais ce que je veux. Alors, déjà, on, oui, on, est tu... bien, on est bien d'accord. Oui. Mais c'est quand même pour t'expliquer dans un contexte plus large. Oui. Que euh, tous les cas sont dans la nature. Exactement. Voilà. Ouais. Et que, bon, l'histoire de l'oligarchie, moi, j'ai pas demandé à l'oligarchie si je pouvais me marier avec ma femme, c'était ouais, bien, ça oui. si elle me donner un bon point. D'ailleurs, elle m'a jamais donné un bon point pour rien. Donc, euh, voilà. Il y a un cool. distinguo à effectuer entre les vies individuelles et les, les gens bah, euh, de sûr. qualité qu'on peut rencontrer partout dans bah, le complètement, monde. complètement. Et, euh, et en fait, le, le métissage voulu. Euh, par les élites forcées complètement etc. Oui, complètement mais après si c'est un métissage pour donner euh, si tu veux euh, des enfants qui sont complètement déracinés mmh. mais c'est pas du tout le cas des miens. D'accord. Parce que les miens aussi vont te dire que euh, sont français. Ah oui, français. Et alors, comme j'habite Chenevières-sur-Marne, deux Chenevières-sur-Marne, ils aiment cette ville-là. Alors après, ils aiment aller à Paris, ils vont faire visiter Paris aux gens. Ils aiment, voilà, c'est comme ça. Donc, du moment que ça ne produit pas des gens déracinés, forcément, c'est loin d'être négatif, à mon avis. Bien oui. Bah on comprend mieux pourquoi tu crois au principe de l'assimilation par par de fait. Ah bah complètement, mais moi j'y crois complètement. Mm -hmm. Mais encore une fois, il faut il faut savoir ce qu'on vend entre guillemets. Mm. C'est-à-dire que si on vend aux gens du rêve, vous venez ici et puis on vous donne des aides sociales et puis tout va bien aller, ça va pas. Oui. Non, il faut expliquer aux gens d'ailleurs, je vais te dire franchement. Oui. Aujourd'hui, je pense qu'il faut plus d'immigration. Aujourd'hui, c'est dit. Voilà, c'est pas une question de il faut, il faut pas, il mmh. faut une immigration très, très limitée, vraiment. Je pense qu'il n'en faut plus, puisque de toute façon, on est à rabord, oui, oui. à tous les points de vue. Mais si je dois parler des gens qui sont là, il faut expliquer aux gens qu'on euh, ne quitte pas euh, l'Afrique noire ou, ou, ou l'Afrique du Nord ou euh, l'Asie mineure ou tout ce que vous voulez, en espérant trouver le même pays que le sien, mais avec de l'argent en plus. Mmh. C'est pas comme ça que ça marche. C'est autre chose, bien sûr. Il faut changer sa, sa façon d'être, il faut changer son état d'esprit. Très bien. Il, il, faut, il faut avoir la capacité à euh, effectivement revenir sur des principes qu'on a, une certaine forme d'éducation, etc. Mmh. C'est pas donné à tout le monde. Oui, oui. C'est pas donné à tout le monde, c'est donné à des gens. Il y a des gens qui peuvent parce qu'ils ont choisi ça, en connaissance de cause. Et puis il y en a d'autres qui rêvent. Oui. Et puis il y en a plein qui rêvent, oui, bien sûr. Oui. Oui. Bien bah, bien je suppose bien. que, en tant qu'homme de droite, tu n'es pas choqué par l'idée par d'immigration choisie, c'est-à-dire une enfin, immigration de qualité, d'étudiants, oui. d'autres études, etc. Oui, c'est bon, évident que la France doit toujours accueillir des étudiants parce que ça participe de son rayonnement. Mmh. C'est évident. Immigration choisie, malheureusement, je ne vois pas trop maintenant dans quel créneau on a besoin je de gens pas. pour travailler, même dans les, les créneaux les plus intellectuels. Non, je ne mais... sais pas. Je... C'est malheureux à dire, mais vraiment, on n'a plus la capacité. Oui, oui, je crois qu'il faut bien comprendre l'urgence de, de la, de la ah situation. Ah oui, je crois que là, vraiment, il vaudrait mieux freiner une fois pour toutes et puis après, euh, et voilà, voir ce que ça donne. Parce que là, pour le moment, ça ne donne pas de bons résultat' Tu es sur ça. vraiment l'idée de l'immigration zéro, par exemple, quoi Pratiquement zéro, on va mmh. dire. Enfin, voilà, je veux dire, de toute façon, on n'arrivera pas à l'arrêter complètement. C'est l'évidence. Ouais. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est le leitmotiv qu'il faut avoir. Parce que pour le moment, ni économiquement, ni culturellement, il y a besoin de faire entrer des immigrés. Mmh. Voilà. C'est clair et net, et, et je pense qu'en plus, et je dis en plus, et je, je suis parfaitement sincère dans ce que je dis, pour la plupart des immigrés, ce ne sera pas bon non plus. D'accord. Voilà, parce qu'ils n'arrivent pas dans un pays qui a même de les accueillir, qui a même de les intégrer, qui a même de leur offrir ce qu'ils attendent, mmh. et ils vont se retrouver piégés après ce que je t'ai dit sur la culture. Je hein. comprends. Hein. Voilà. Alors j'ai une dernière question. Euh, dans la première partie, tu m'as dit que tu étais plutôt optimiste, que tu pensais qu'on allait relever. On allait se, se redresser, mais que l'Occident allait tout de même survivre. Eh bien, dis-moi en plus, est-ce que tu, quel est ton sentiment pour l'avenir Quelle est ton intuition, parce qu'on ne peut pas jamais prévenir la... prédire l'avenir. Euh, comment est-ce qu'on va s'en sortir je, je, je ne suis pas prophète. J'espère vraiment qu'on va s'en sortir, parce que c'est la vérité, euh, et moi je le dis. Hein, et et tiens, ma femme te le dirait, on vit en France comme on ne vit peut-être nulle part ailleurs. Oui. Voilà. Et je pourrais dire la même chose des Italiens ou d'autres. Enfin, on, on sent quand même qu'on a une civilisation qui nous, qui nous fait progresser. qui oui. vous, Qui vraiment, tout de suite, euh, nous donne un avantage terrible sur les autres par rapport à notre état d'esprit, par rapport à notre culture, par rapport à ce qu'on sait, par rapport à notre façon d'être. Je, je pense que les autres civilisations sont tout à fait respectables. Hein. Toutes les oui. civilisations sont, sont parfaitement respectables. Et moi, j'aime. Les différences de civilisation. Mmh. J'aime voyager pour voir autre chose. Hein si c'est pour voir la même chose qu'ici, euh, voir Starbucks et... et McDo et compagnie, ça m'intéresse pas. Intéressant, pas. Ouais. Voilà. Moi, j'aime aller voir d'autres choses. Mais la conclusion de tout ce que j'ai vu, c'est que quand même, nous avons une civilisation qui nous amène vraiment à, à nous extraire en quelque sorte on a une culture qui nous amène à nous extraire de notre propre culture mmh. qui, qui a une vocation vraiment universelle c'est la vérité mmh. c'est la vérité parce que toutes les autres sont très communautaristes donc on reste toujours un peu alors entre soi. On reste toujours avec, euh, je dirais, le même rythme et le même, le, le, les mêmes choses, les mêmes, les mêmes traditions, les mêmes rites. Oui. Il y a vraiment cette impression que les, les choses perdurent et que... sont figées, en quelque sorte. Oui, ouais. l'impression que les autres, c'est figé. Même ouais. l'Amérique latine, on a, on a cette impression-là. Euh, même si c'est moins que l'Afrique, mais on a cette impression-là. Et évidemment, les civilisations euh, arabo-musulmanes, vous le voyez également. <laughs> c'est sûr. Voilà, et on le voit même ici, donc... Euh, donc, on a vraiment cette capacité à, à s'extraire de nous-mêmes, en quelque sorte, à mmh. voir toujours notre civilisation comme une éternelle évolution. C'est vrai. Et une, une éternelle quête de l'autre également. Je ne sais pas comment le définir, je ne sais pas si je m'exprime bien, je mais. tout à fait. Mais vraiment. Au niveau historique, l'Europe s'est réinventée des centaines de voilà, fois. Exactement. Si on regarde par contre l'histoire de la Chine, on a l'impression d'un bloc. C'est ça. Que rien n'a changé en quelque exactement, sorte. Exactement, même, quelque... même la Chine, qui est quand même un grand oui, pays. Oui, oui, bien, un bien sûr, bien sûr, pays, mais... des, de gens intelligents, mais. Au niveau historique Et je pense qu'ils n'atteindront jamais réellement notre niveau. Je pense oui. que là, la puissance de la Chine, vous le savez très bien, elle tient à son immense population, bien son réservoir de main-d'œuvre. Mais, mais moi, je suis convaincu que jamais ils n'atteindront le niveau que des, des, des petits bouts de terre, comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme l'Angleterre, tous ces pays-là, euh, la création artistique qu'il y a eu, la création scientifique. Oui. Vous vous rendez compte Regardez à l'échelle d'une carte ce que c'est. Hum. Il y a une péninsule au Mexique, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'avais visité, qui est trois fois plus, qui ressemble à l'Italie en quelque sorte, mais elle est trois fois plus grande. Oui. Mais il y a rien. Il y a des gens pourtant, mais il y a rien. Y a rien y a des... Vous vous dites, c'est quand même incroyable tout ce qu'on a pu créer dans nos petits bouts de bien terre. Bien sûr, bien Voilà. Donc euh, moi, je suis persuadé qu'il faut vraiment qu'on on, on retrouve la conscience de ce qu'on est, euh, qu'on arrête de croire qu'on baigne dans un bain qui est là et puis qui restera là. C'est pas oui, vrai. Oui, oui. On peut tout perdre du jour au lendemain. Les Romains l'ont perdu du jour au lendemain, en se croyant les plus forts. Les civilisations ne sont pas éternelles. Voilà. Une Paul civilisation Valérie. peut mourir, c'est vrai. Voilà, c'est Paul Valéry qui a dit Nous autres civilisations savons maintenant que nous sommes mortels. Mmh. Il parlait de ça parce qu'à l'époque, il y avait eu les découvertes de l'Égypte, des, des vestiges d'Égypte ancienne et tout. Mais malheureusement, on sait tout ça, mais on ne sait pas se l'appliquer à soi-même. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Et or, moi, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, nous sommes menacés. Mmh. Et j'écris pour que les gens en prennent conscience, qu'ils prennent conscience de la chance que nous avons. Et qu'ils se battent un peu pour qu'on sauve ça, oui, oui. Voilà. et pour que vraiment nous 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 sauvons tout ce qui fait la grandeur de notre civilisation et tout ce que ça nous apporte oui, dans notre ça. quotidien, euh, à la fois la prospérité, la culture et la liberté. C'est ce qui m'a plu vraiment dans ton dans ton œuvre et ton personnage, c'est ton optimisme en fait. Euh, oui. Euh, ah bah tu ne vois pas décliniste alors Déclinologue, ou je ne sais pas plus comment on me dit. Mais bah, c'est-à-dire que encore une fois, j'ai établi le distinguo entre le faire, un, faire un constat et ensuite. Et euh, bah voilà. Voilà. C'est exactement ça. Et moi, par rapport à ce que tu as dit, moi j'encourage les gens pour vraiment redevenir amoureux de votre pays et de l'Occident, notamment de l'Europe de l'Ouest. Quand vous baladez en voiture, vous voyez dans n'importe quel village. Français, italien, allemand, il y a du beau. Oui, il y a toujours quelque chose. Il y a chose. de l'artisanat, il y a quelque chose. Vrai. Et c'est franchement pas le cas. Pourtant, je vous le dis, hein, je, en toute objectivité, ma femme est roumaine. Vous vous baladez en Roumanie, en Ukraine, vous voyez pas ça. Ben oui. Mais, mais ce que vous voyez en France ou en Italie, c'est. Oui, oui, alors la civilisation latine, c'est encore, euh, encore autre chose. Peut-être qu'on prêche pas notre paroisse, mais c'est pour vous ah, montrer qu'il n'y a pas de mal à être fier de ce qu'on a fait. Mais non, mais voilà. pas du tout. Mais on n'a pas du tout à, à, à cracher sur ce qu'on a fait parce que on, nos ancêtres et toutes les générations. On oui. en fait énormément. Et ce qu'on a fait, on énormément. peut le refaire et on peut... Oui, oui. Euh, voilà. Vous savez, euh, 40% des œuvres d'art du monde sont en Italie et mmh. 20% en France. C'est quand fait même impressionnant. Attention. Ça fait 60% dans, deux, dans pays. deux pays qui font 120 <laughs> millions d'habitants. Euh, ouais. Je ne parle même pas de la Grèce, de l'Espagne et tous ces pays-là qui... Ah bah, je crois que là, Olivier, bah, tout est dit. Quoi, quand bah, dit ça, oui, euh... bah oui, ben bah oui, ben oui. Mille de rien. Alors, ton dernier événement c'est la mondialisation totalitaire. Tu vas instant promo tu vas tu en sortir en mai je crois oui sur, euh, qui s'appelle OPA sur l'Elysée d'accord et ça ouais. parle d'Emmanuel de, Macron par exemple d'accord bon bah ce sera peut-être l'occasion de te recevoir à, à, à ce moment là aussi quand tu veux j'ai été vraiment ravi de te, bah, de te même, recevoir de même merci de ta, ta gentillesse ta sympathie et de tes eh, réponses eh ben, merci beaucoup merci ouais. à toi de m'avoir accueilli c'est très sympa mais je suis là parce que tu m'avais déjà repéré sur TV Liberté. Moi, exact. je suis tombé sur ma vidéo, sur ton site à toi. Je dis, tiens, mais je ne suis pas. Bah écoute, euh, comme oui, on, oui, me oui. Connaît, bon. on est des gens ouverts, hein. on tombe sur des gens intéressants, voilà. on les découvre et on, on les diffuse, c'est comme ça. Eh ben bonne chance à toi pour la suite, en tout cas. Très bien. Au bon, plaisir de te revoir. Merci. À bientôt, chers amis. Vive la France, vive l'Europe. À bientôt.